Bienvenue à l'émission Tendez à quoi céder. Tendez à quoi céder. Tendez à quoi céder, c'est une émission qui vient pour vous toute information sur ce qu'on a bien besoin ou est, sur ce qu'on a besoin. Tendez, gain bagay ou tendez, pour pas ouais, gain bagay ou est, pour pas tendez, gain bagay là ou tendez, ou aller chercher où elle n'est pas existé, gain bagay là ou elle ou pas comprendre, ça a besoin pour tendez pour qu'elle comprenne. Tendez à quoi céder sur l'émission que l'Église de Jésus-Christ pour le Gospel présentée au grand public avec votre serviteur, le Reverend Jean-Paul Dabeus, accompagné de leur panel de beaucoup de serviteurs. Tendez à quoi céder. Tendez à quoi céder. À souhaiter bienvenue tous les soirs, dimanche et jeudi excepté. Bienvenue à Tendez à quoi céder. Amis téléspectateurs, radio, téléphone gospel, à saluer nous toutes et souhaiter nous bienvenue dans l'émission Tendez à quoi céder. À ce encore, nous là, avec notre panel au grand complet, pour vous saluer de façon fraternelle et pour dire bienvenue à l'émission Tendez à quoi céder. Grand sujet que nous débattons dans la série ça, c'est qui est Jésus yé? Qui est Jésus? Est-il Dieu le Père ou est-il Dieu son Père? Ou Jésus est-il Dieu son Fils? Ou est-il une quelconque deuxième personne de une quelconque sainte Trinité? Alors, c'est ça nous parlons. Hier soir, nous avons souligné pas mal de choses. Et parmi tout ça, nous t'ai souligné, nous t'ai dit que Dieu n'a pas de commencement. Les nous t'appelons dans Jean chapitre 1er, au commencement, Dieu était la parole. Et nous t'allons dans Genèse pour nous, au commencement, Dieu créa. Ça montrait que Dieu a déjà été là avant le commencement. C'est pas le commencement de Dieu qui t'a exprimé dans Jean chapitre 1er. C'est plutôt le commencement de la création. Ça nous dit ouais, que Dieu n'a pas de commencement, pourtant Jésus lui-même a un commencement, ou encore la parole a un commencement, ou cette parole qui a été faite chair, qui est devenue lumière, il était un commencement. Bon, l'autre bagage encore, nous dit ouais, que Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix, pourtant, la Bible a dit nous, que Dieu ne meurt pas. Dieu ne saurait mourir. Il est le seul qui possède l'immortalité. Et c'est celui lui-même qui est capable de bailler à Jésus l'immortalité. C'est celui lui-même qui est capable de ressusciter Jésus dans le temps moyo. Alors, nous avons eu un texte à eux hier soir. Et à ce encore, nous avons continué sous même lancée. Qui est Jésus? Qui est Jésus yé? Alors, c'est ça, nous pouvons continuer, ouais. N'a pas tourné dans Jean chapitre 1er pour nous faire un petit rappel. Bah, qu'on est, si nous venions pas les listes pour faire un petit rappel succinctement pendant 2 minutes pour nous. Pour nous dire, ouais, tout ça, nous dit, ouais, hier soir, concernant Jésus comme étant la parole, comme étant aussi la lumière du monde. Bonsoir à tous téléspectateurs, auditeurs, radio, téléphone, gospel. Encore à soi, nous souhaitons au bienvenu et au bienvenu dans temps par là. Tendez à quoi ces deux. C'est un grand plaisir nous gagner pour nous intensifier, si causer nous, si parler nous, si dialogue nous. Et ça arrive que c'est chaque soir nous ensemble pour nous brasser l'idée sur ça nous besoin qu'on a, sur ça qui intéresser nous sur ça qui va utile nous. Tant comme ça nous venons pour nous inviter ou pour tendre et puis non seulement pour tendre mais pour ouais tout. Hier soir nous était là effectivement nous abordé un sujet qui fait couler déjà en pile langue à savoir c'est qui est Jésus yé? Qui est Jésus yé? Alors son question chaque monde en particulier une réponse que ta cabaille suivant ça entendé déjà suivant ça que ouais déjà tout chaque monde ta ka une réponse. Mais nous t'y essayons d'aller dans la Bible là pour nous comprendre qui est Jésus. Et nous comprenons rapidement que Jésus, lui, c'est premier, c'est commencement
œuvres, bon Dieu. Alors, c'est la parole. Au commencement, était la parole. Et ça qui était prêté sous point que nous avons parlé en pile, c'est au commencement, il y a des gens qui te dit commencement, c'est commencement, bon Dieu. Et là, nous allons comprendre que commencement, il n'y a pas de commencement, bon Dieu. Parce que bon Dieu, pas de commencement. Mais au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous comprendre que la parole, c'est le premier bagage que bon Dieu a créé. Et nous voyons que la parole, c'est avec lui, je viens de dire là pour un thème clair, c'est un outil que bon Dieu a créé pour être capable de faire tout ça. Dieu nous capable ouais. Parce que nous voyons au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais tout ça, c'était fait par la parole. Et en rien de ça qui existait, pas de fait sans la parole. Et nous te gardons pour nous voir à un certain moment, la parole devenue chair. Et de ce fait, nous comprenons que la parole, eh bien, c'est le premier bagage que bon Dieu a créé. Ou du moins, à un certain moment, même parole ça qui est devenue chair là, qui est devenue Jésus, eh bien, de là, nous comprenons que c'est le commencement, c'est les premières œuvres que bon Dieu a créé. Dans tout ça, nous te comprenons, dans tout ça, nous te capables. Résumé dans l'émission hier là, et nous mettons le point tout sur le fait que bon Dieu n'est pas le commencement, mais Jésus lui-même, lui c'est le commencement des œuvres de Dieu, c'est le premier élément que bon Dieu t'a créé, et c'est avec elle que bon Dieu t'a fait toute sa noue qui existait les cieux et la terre. Et nous avons quitté le soin à l'autre, nous avons mis dans le panel là, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Bon, nous absolument ajouter tel que Jean-François Job dit ça. Texte a dit ça bien dans Jean chapitre 1er que au commencement était la parole. Alors à un moment de la durée, bon Dieu créé la parole, il est venu avec la parole. Maintenant c'est avec la parole, il est servi pour que il fait toute l'autre bagaille. Le texte a dit ça clair, il dit toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière du monde. Fait, c'est avec la parole qui était avec Dieu au commencement que Dieu a créé. Et c'est cette parole-là même qui a été faite chair. Et ces paroles, ça, c'est Jésus. C'est-à-dire, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Fait, Jésus, c'est la première créature ça, que bon Dieu a créée. Et c'était un instrument, nous sommes capables de dire, nous avons vu ça dernièrement, que bon Dieu a créé, c'est la première créature que bon Dieu a créée pour être capable de faire toute l'autre bagaille. Et création, ça, créature, ça, que bon Dieu a créé, elle était un commencement. Ça veut dire que l'œuvre devient dans l'existence, qui contraire avec Dieu, parce que Dieu lui-même, il n'a pas de commencement, mais Jésus lui-même, il a un commencement. Fait Jésus, nous guettons ouais, dans le texte là, dans le premier texte que nous prenons, dit pas qu'à Dieu. Parce que les gars ont commencement, parce que bon Dieu lui-même n'est pas en commencement. C'est juste ça que je vais ajouter. Ok. Nous avons fait une petite rectification. Nous ne pouvons pas dire Jésus pas capable de Dieu. Lui, c'est Dieu. Il est devenu Dieu. Nous avons dit Jésus pas capable de Dieu, le Père. Le Père. C'est ça. Pas capable de Dieu, le Père. Ouais. Bon, alors, nous avons essayé ouais, comment nous sommes capables de mettre deux textes qui parlent de création en face pour nous capables de comprendre. Vérité a, ou même tout pour qu'à comprendre. N'a pas mis en parallèle deux textes, à savoir Genèse chapitre 1er, verset 1er, et n'a pas mis tout en face Jean chapitre 1er, verset 3. N'a pas mis Genèse chapitre 1er, verset 1er, n'a pas un petit temps pour joindre Genèse, c'est le premier livre dans la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Et après ça, on a dit Jean chapitre 1er, tout, le verset 3. Genèse chapitre 1er, ça nous dit là-dedans. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Au commencement, Dieu n'est pas le commencement. Ouais. Mm-hmm. Au commencement, Dieu créa. Ouais. C'est-à-dire, pour commencer. C'est le commencement de la création que nous venons maintenant là, le commencement de l'univers, le commencement du système ça que nous gagnons, hein, qui gagne un système galactique là, système terrestre là, qui gagne tout l'univers là-dedans, nous avons dit
le commencement de l'univers, mm-hmm. au commencement de l'univers, le bon Dieu t'a créé, Dieu. Qui ça a été fait? Ouais. Dieu a-t-il commencé par créer Dieu? Non, Dieu n'a pas créé de Dieu. Est-ce que Dieu a eu un certain commencement? S'il a eu un commencement, nous pas comme ça, nous pas prendre la donne, parce qu'il dit, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Laissez-moi poser la question ça. Ouais. Mais pour l'instant, nous connaissons que Dieu n'a pas de commencement, ni non plus, il n'a pas de fin. Mais quand il dit, dans Genèse chapitre 1er, au commencement, c'est-à-dire pour commencer, c'est ça, mon sable, dans bon créole. Il dit, au commencement, ça veut dire, pour commencer, les bagailles ont commencé, Dieu créé les cieux et la terre. Fait, c'est pas la terre et les cieux, c'est très important. Il créé les cieux, ensuite il créé la terre. Et c'est une petite conjonction, un mot qui est placé entre deux membres de phrase, que l'une suive l'autre là. Oui. Si vous dites, si vous dites l'argent et la marchandise, c'est pas la marchandise et l'argent. Si vous dites la vie et la mort, vous dites bien, mais si vous dites la mort et la vie, laisse ça ou changer de bagarre parce qu'on n'a pas qu'à mourir en va pour vivre. Mm-hmm. Enfin, conseiller de bagarre, on n'a pas qu'à mettre dans mauvais ordre. Ou qu'a dit la mort et la vie, laisse ça ou pas les l'aide. Mm-hmm. Ou qu'a dit lui, mais on n'a pas les l'aide. Mais pour parler bien, c'est pour dire la vie et la mort. Et la mort. Parce que la vie vient en vant la mort. Ah ben, nous avons une petite précision ça pour montrer que on pas capable de dire Dieu créa la terre et les cieux. Obligé de dire Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas pour grand Messie, les cieux viennent avant. C'est-à-dire, tout ça qui est gagné dans le ciel, tout ça qui est dans le ciel, je dis, il existait avant que tu gagnes la terre. Mais pour bon Dieu te faire les choses, Bible a dit nous parlons le mot commencement ça, non? Jean chapitre 1er, comment on appelle ça, verset 1er? Verset 1er, au commencement. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Ces deux textes, l'un explique l'autre. Ouais. Au commencement, Dieu créa. Mm-hmm. Au commencement était la parole. La parole. Dieu créa les cieux et la terre, et pour créer les cieux et la terre, il a fallu que Dieu commence par créer un bagage. Ouais. Il n'a pas dit au commencement, Dieu créa son trône. Non. Il n'a pas dit au commencement, Dieu créa les anges, non. Ou bien Dieu créa les chérubins. Il n'a pas dit, Dieu créa la mer de verre, mais il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est bien clair. Mais pour nous connaître qui ça, bon Dieu, t'a fait en avant. Pas mettre une bagaille ça, parce que là nous venons regarder dans la création, bon Dieu pas créé et l'homme avant la lumière, oui. Il a créé la lumière d'abord, oui. Avant de créer et l'homme, il a créé la lumière d'abord avant de créer les étoiles, oui. Fait, donc c'est une bagaille qui n'a pas venu avant. Alors, l'autre là. Mais Dieu a créé les cieux et la terre, dans Genèse, c'est comme ça que nous comprenons ça. Oui. Texte a montré nous que Dieu était là et il a commencé à créer. Ouais. Côté bon Dieu sorti, nous ne savons pas. Ouais. Qui a-t-il créé bon Dieu? Nous ne savons pas. Mais ça nous connaît, c'est que les bagailles ont commencé, bon Dieu était là. Ouais. Et premier bagaille bon Dieu pour le faire, nous parlons dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La Bible a dit nous, au commencement était Dieu. Non. Au commencement était la parole. Et, libère nos précisions, la parole était avec Dieu. Ça montrait que Dieu était toujours là avant le commencement. La parole, avant le commencement. Oui. Dieu était, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Beaucoup de précisions, ça vient faire nous comprendre que parole là, était avec bon Dieu. C'est pour un bagage qui sortit dans l'autre univers. C'est bon, l'autre puissance qui vient avec elle. Et parole là, c'était même bon Dieu à même. C'était la parole de Dieu. Fait. Je dis, hein, si on qui intéresse nous et que tout le monde qui a parlé de bon Dieu connaît qui existait, c'est la parole de Dieu. Il y a un peu de monde qui connaît la parole de Dieu. Mais tout le monde qui a parlé de bon Dieu, je dis, il y a pas la parole de Dieu. Le monde qui parle de l'église dit, il va aller pour écouter la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, explication que la banane dans le chapitre 1er, c'est pas sous bon Dieu,
C'est l'explication sur la parole. C'est ça. C'est la parole l'a peut expliquer là. Quelle parole l'a sorti dès le commencement. Ouais. Qui Jean-Parole l'a fait là, elle était avec Dieu. Dieu. Et qui sa parole l'a fait là, ça, Dieu. C'était Dieu. C'était la parole de Dieu. Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, nous, il vient dans verset 3. Il dit, nous, toutes choses ont été faites par elle. Ou bien, si vous voulez, n'a remplacé au mot, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Oui. Et, littéralement, bah, nos précisions, nous t'as qu'à comprendre, il y a quelques bagailles que la parole t'est faite, il y a quelques bagailles que le pas fait. Oui. Mais il dit, toutes choses ont été faites par elle. Quelle précision? Oui. Précision toujours. Elle dit, nous, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, veut dire que, quel que soit petit bagaille là, quel que soit gros bagaille là, d'un coup, tout cosmos là, d'un coup, tout univers là, sorti dans gros étoiles, passé dans gros léviathan, dans gros baleine qui dans la mer, pour arriver dans un petit fourmi qui a marché sur la terre, c'est la parole qui te fait ça. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ouais. Nous qu'à comprendre ça. Ouais. Parce que la plupart des choses, presque en pile bagaille qui existait dans l'univers là, il y a la vie. Amen. Il y a la vie. Et la vie, ça, c'est sorti dans la parole. Ouais. Pour bagaille, ça, il y a la vie. Pour que l'homme gagne la vie. Pour que l'homme ait la vie là-dedans. Pour que terre gagne la vie là-dedans. Mais vous dites terre gagne la vie, ou fouillez terre, ou venons vers de terre. Ouais. Fouillez terre, ou venons Maroca. Fouilleteur joue une série de créatures sans bataille pour vivre, ou joue un pied mango qui gagne la vie, ou joue un pied zaboka qui gagne la vie, eh bien, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais la vie, c'était la lumière des hommes. C'est-à-dire, tout le monde qui t'a vivre, tout ça qui t'a vivre sur la terre, si on monte là dans tout ça, eh bien, on t'a gagné. Pour suivre lumière, ça, c'est lumière la vie, ça veut dire l'homme t'est toujours voulu la vie. Je dis même si pour un criminel notoire, il y a un monde qui a tué 50, 60, n'importe quantité de monde à la fois, mais si vous prenez pour balle la mort, eh bien, c'est difficile pour un monde à résigner pour le mourir, parce que la vie, c'est la lumière des hommes. Alors, nous t'es fait un nœud hier soir pour nous montrer que, eh bien, au commencement, c'est pas Dieu. Ouais. C'est pas au commencement, il y avait Dieu. Non. Oui. Non. Au commencement était la parole. Et au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu créa. Ouais. Au commencement, Dieu créa. Et avec qui ça bon Dieu pour le créer? Verset 3 dans Jean 1er dit nous. C'est ça. Toutes choses ont été faites par la parole. Oui. Au commencement était la parole. Ouais. Et toute bagaille était créée avec la parole, pas rien qui était fait. Ou c'est pas parole là qui te fait. Tout ça nous a découvert déjà depuis des millénaires. Tout ça nous était pour nous découvrir, par exemple, les zones de radio que nous observons en pile aujourd'hui, qui fait au carité ici ou par là comme nous au Japon, à l'aide d'un petit cabinet de téléphone. Tout ça t'est créé par la parole. Matière que vous pouvez servir pour faire combiner ça, t'est créé par la parole. Pas grand rien que nous avons découvert aujourd'hui, soit dans l'espace, soit dans les arbres, dans les racines, soit en bas en mer, soit dans les animaux, soit dans les hommes, parce que l'homme retient au mystère que beaucoup de cas finissent explorer. Eh bien, whatever son monde a trouvé qui existait dans l'univers là, eh bien, tout bagage a été créé au commencement. Ouais. Par la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors ça, c'est clair, c'est l'origine. Fait, à partir de là, nous utiliser un vocable qui est capable de faire un pile monde sursauter, un pile monde dédaigner, mais avant de sursauter fort, avant de gagner des dédains, avant de révolter, c'est pour garder pour sortir qu'on est encore de preuve. Maintenant, on a expliqué la parole de Dieu. Qui est vocable? C'est que nous dit Dieu est un être, Jésus est un être créé. Oui. Il a un commencement. En plus, le monde n'est pas d'accord que Jésus est un être créé. Mais pour qui ça?
Est-ce que c'est parce qu'on gagne en base? Est-ce que c'est parce qu'on gagne un texte biblique qui montre que Jésus n'a pas qu'à créer? Ou bien c'est l'idée fait de Jésus, hein? D'après vous, vous comprenez, il n'a pas qu'à un être créé. La plupart des gens qui me parlent ensemble avec eux, sous affaire Jésus, c'est une créature là, ils ont vexé parce qu'ils ont senti que m'a manqué Jésus, oui, des gars. M'a rabaissé Jésus pour me dire que c'est un être créé. Mais si Jésus n'est pas un être créé, ou qu'a expliqué quand il est sorti tout, ou pas qu'a expliqué quand il est sorti. Parce que si on a dit qu'il n'est pas un être créé, si c'est lui-même qui Dieu a, qui a fait les choses, ah ben, à qui ça bon Dieu fait? Puis c'est la Bible qui a montré nous que toute bagaille est faite par la parole de Dieu. Je dis, hein, quel que soit ça que vous avez fait dans la vie, hein, sous les hommes et avec bon Dieu, faut utiliser la parole de Dieu. Alors, si Jésus n'est pas un être créé, qui est-ce lié? Qui est-ce lié? Nous gagnons un pile texte dans la Bible qui montre nous que Jésus est un être créé parce qu'il a un père. Oui, oui, oui. Il a un père. Oui. Toute Bible a montré qu'il a un papa. Il y a un pile monde qui voulait faire sentir que Jésus c'est papa à la fois. Et c'est petit là. Alors, raisonnement a fait à Kounza. On a dit, depuis qu'il est, papa, c'est papa, tête lit. On papa, c'est papa, tête lit. Depuis qu'il est, on petite, t'es petite, tête lit. Si moi c'est papa, je suis capable, c'est un petit en même temps. Mais c'est petit dans l'autre monde. Je suis papa, je ne suis pas papa, tête moi, je suis papa dans l'autre monde. Comme c'est papa, comme c'est petit, eh ben, c'est toujours gain on l'autre monde qui a intervenu. Si c'est papa, quand même c'est papa, on l'autre monde. Si c'est petit, quand même c'est petit, on l'autre monde. Mais Dieu est père parce qu'il a un fils. Ouais. Jésus n'a pas de fils. Il ne peut pas être père. Oui. Parce que, à partir du moment que bon Dieu, si je t'ai dit que Dieu est devenu père, il y a un monde qui prend le mauvais. Mais Dieu est devenu père quand il a engendré, quand il a enfanté. Lors Dieu t'a fait les cieux et la terre, il n'était pas un père. Oui. Était un créateur. Créateur. Oui, oui. Créateur. Mais l'olvine guéon petite, c'est laisse alvine papa. Mais on dit nous, écoutez bien là. C'est laisse à Jésus, l'éternel vine papa, parce qu'il a maintenant un fils. Un fils. Un créateur et un père, c'est deux bagailles complètement différentes. Puisque Dieu existe de par lui-même, comme ça, il n'a pas besoin de un papa. Mais Jésus pas capable d'exister Dieu par lui-même parce qu'il a un père. Maintenant, ça c'est clair, son père que nous souligné, Jésus a un père. Ou encore, Jésus a un créateur. Mais ça nous comprendre, c'est qu'au commencement de Jésus, parce que Jésus a un commencement, au commencement était la parole. Jésus a un commencement. Lorsque Jésus a commencé, il n'était pas fils. Non. Il était la parole. Au commencement, Jésus pas de petite. Il n'y a pas de petite personne. C'était le bras de Dieu. C'était la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Hein? Il était une partie de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de petite personne. Il n'y a pas de petite bon Dieu au commencement. Nous pouvons aller loin dans toute la Bible. Il y a un processus qui pourra arriver et Jésus pourra subir le processus ça pour le cas de devenir petit. Jésus est devenu fils de Dieu, mais il n'est pas créé fils de Dieu, il n'est pas né au commencement fils de Dieu. Alors, c'est des choses que nous avons temps pour nous voir un petit peu plus tard, mais avant nous de commencer mission, il y a un confrère qui a nous un texte, nous pensons que nous avons servi avec lui. Nous avons dit qu'il ne peut pas venir dans le texte, mais on apprend quand même, c'est dans Proverbe, chapitre 8, oui, verset 22. Proverbe, chapitre 8, verset 22, on a demandé aux amis et aux spectateurs pour lire la Bible juste en Genèse, juste en Proverbe, ensemble avec nous. Proverbe, chapitre 8, verset 22.
L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant bagay qu'il t'a fait qui t'a la pile longtemps yo, bagay qui t'a la pile longtemps yo, c'est moi-même l'ai fait avant le faire. J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis l'éternité, moi t'ai déjà bah existé non? Moi t'ai établi. Non seulement t'ai existé mais t'ai étant établi. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Dès le commencement. Wow. Avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Tenez ça. Moi t'ai enfanté. Ça veut dire m'étais faite. M'étais joué une naissance. Avant que tu gagnes l'abîme sur la terre. Point de source chargée d'eau. Là, pas encore aucune source qui te gagne de l'eau. Avant que les montagnes fussent affermies. Avant que tu gagnes monde, tout partout. Avant que les collines existassent. Avant que tu gagnes Timon qui était là. Je fus enfanté. Moi-même, de là. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Laisse ça. Bon Dieu, pas encore fait ni la terre, ni les campagnes. Ni le premier atome de la poussière du monde. Ni le premier atome de la poussière du monde. Ça veut dire pas bien rien du tout. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. L'altab disposé ciel, moi j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. L'altab fait un cercle sur la surface abîme, non? J'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Et sous yo t'a bail de l'eau avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer, limite pour pas franchir, pour que les eaux ne franchissent pas les bords. Pour l'eau pas franchir, bonio. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, base la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. M'tap travail, bon côté. Oui, oui. Je faisais tous les jours ses délices. Chaque jour passé, m'te fait que bon Dieu content. Jouant sans cesse en sa présence. Voilà, n'a pas un petit copé là. C'est tellement d'explications. Ouais. C'est tellement clair. Ouais. Leur film qu'on est que au commencement, Dieu créa. Ouais. Au commencement, Dieu créa. Maintenant, moun kap parle là, nous pouvons pas ballon non. Nous avons parlé, non? Mais nous avons regardé pour nous voir qui ça le fait. Oui. Mm-hmm. Ouais. Nous voir qui ça le fait pour nous voir qui nous lie. Ouais. Hein? Mm-hmm. Si on dit comme ça, un homme qui est habillé avec un costume de police, premier, bah, vous pensez que c'est un police. Il dit qu'il y a un revolver, il était tiré en l'air, il était marché au pas. Vous pensez que c'est ça? Mm-hmm. Son policier, mm-hmm. Son militaire. Le monde quelconque. Fait, nous pouvons regarder, le monde qui a parlé là, qui ça le fait pour nous pas contre qui nous lié. Bah, on dit nous ça. Oui, oui. Fait, si on dit, ouais, un homme qui t'a manipulé les chiffres, nous avons droit de prendre deux qualités. Moun. Un mathématicien ou bien un comptable. Mais si on dit, moi, c'est pas sur un tableau que tu as fait bagaille, il te qu'on caille dans la pente de notre, son comptable pour lui. Fait, si on dit un homme avec un roule en même, et puis on pique quoi, on pèle, et puis il a piqué la terre, tout de suite, moi, que je sais ça, c'est un cultivateur. Les cabans cultivateurs sont simples laboureurs, mais entre les deux, ils sont une là-dedans. Fait, comme ça, nous pouvons regarder pour nous, qui ça, moun, ça a parlé à faire. Parce que s'il a parlé, ça veut dire qu'il bouche. S'il a parlé, il a bouche. S'il a parlé, ça veut dire qu'il y a quelconque intelligence. Fait, intelligence qui gagne, hein. Pral dit nous qui est moun lié. Nous avons Proverbe chapitre 8. Et puis, nous avons demandé aux amis pour suivre ensemble avec nous, pas à pas. Ouais. Nous pral relire le texte là, phrase après phrase, pour nous capables de faire une petite explication sur chaque bagaille. Parce que dans pile bagaille là, qui décrit nous, pendant lui-même, la palais de l'époque, quand il existait, il a dit nous qui moun lié. Nous allons regarder, nous allons commencer encore. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Numéro 1, n'a pas que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé là. Oui. Oui. Et la première des choses. Oui. Oui. C'est au monde qui a parlé de l'Éternel. Oui. Là, dans frère, ça, et l'Éternel lui parle. C'est deux têtes qu'il a parlé, oui. Oui. Mais lui dit qui est-ce qui te créé. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Bon, alors, si nous comprenons bien,
bon Dieu, il y a un premier bagage qui a été fait, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, etc. Parmi les choses que bon Dieu fait sur la terre, il y a un premier. Nous avons dit à l'air, nous par contre, si c'est ciel, il y a fait avant. Si c'est Jean Joël te fait avant, nous ne connaissons pas, mais nous connaissons le fait ciel avant, après ça, le fait terre après. Ouais. Maintenant, mon cap parle là, il dit nous, c'est moi même, oui, mm-hmm. L'éternel t'a fait les choses, oui. Et moi, il te fait avant. Oui, oui. Le monde a des bouches. Oui, il a des bouches. Il a parlé. Et puis, il a une compréhension. Il connaît que l'éternel te fait. Oui, oui. Premier bail, bon Dieu créé, c'est moi. Mm-hmm. Au commencement, c'est moi. Au commencement, c'est moi. Oui. Pour commencer les choses, c'est moi. Nous parlons plus loin. C'est moi que premier heure, bon Dieu t'a créé. Oui. En ouest, qui ça nous a attaqué. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. Qui ça plus ancien? Les œuvres les plus anciennes, c'est les cieux. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Dans Genèse, comment dans Genèse, comment Dieu créa les cieux et la terre. Ça fait tout à l'heure, on a souligné que Dieu n'a pas fait la terre avant, mais fait les cieux d'abord. Les œuvres les plus anciennes, bon, nous ne connaissons pas si c'est trône, si c'est anges, mais. Il fait partie du ciel. Il fait partie du ciel. Ciel, ces œuvres qui sont plus anciennes, nous connaissons, bon Dieu, tu créé, parce que dans la Genèse, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant, bon Dieu, tu fait les cieux, qui ces œuvres plus anciennes, il t'a fait monsieur Sakapalea. Oui, oui, oui. Hein? Oui. Fait, nous voyons qu'on qui est. Oui. Mais nous connaissons, il était là avant le ciel. Oui. Il était là avant le trône de Dieu. Il était là avant les séraphins. Oui. Il était là avant les chérubins. Oui. Moi, j'étais là moi-même avant ces œuvres les plus anciennes. Mm-hmm. J'ai été établi depuis l'éternité. Ah! Depuis l'éternité. Là, il dit l'éternité, ça veut dire, c'est depuis l'homme, bon Dieu, tu commences à faire les choses pour arriver jusqu'à ce que bon Dieu vienne à refaire la terre. Et puis, pour arriver jeudi, ça veut dire, bon éternité qui passe, ça veut dire, c'est temps qui t'est passé, tout espace qui t'est passé, avant nous venons, la terre était formée vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Bon Dieu n'a pas encore révélé tête lui. Je souligne pour chaque ami et spectateur qui a suivi nous que le livre nous t'a pli, qui te montre nous que Dieu créa les cieux et la terre avec la Genèse, c'est bon Dieu même qui dicte Moïse, livre ça pour l'écrit. Il y a cinq livres dans la Bible qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Premier livre là, c'est le livre de la Genèse. Genèse qui veut dire commencement. Fait Moïse pas là au commencement. Non. Moïse pas premier monde. Que bon Dieu te fait. Et pour le temps qu'on connaît ça qui t'est passé, il faut que l'Italien, Dieu qui était là, au commencement oui. Pour raconter le bail, qui était là, le bail doit commencer. Maintenant, ça nous comprenons que mon cap parlé là, dit, il était établi lui-même depuis l'éternité. Oui. Il était là. Mm-hmm. Il était là. Et bon Dieu était là tout, parce qu'il dit, c'est l'Éternel qui m'a créer oui. La première de ses œuvres. Oui. Avait dit, l'Éternel est là depuis l'éternité et l'Éternel est là tout. Mm-hmm. Bon, alors, question nous t'a posée à Zami Nouyo qui dit que Jésus c'est lui-même qui est l'Éternel là. N'a demandé qui est-ce qui t'a établi Mounsa? Oui. Parce que Mounsa pas l'Éternel, non? Non, c'est pas l'Éternel. Mais l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Mm-hmm. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi dès l'éternité. Mais Mounsa n'a pas l'Éternel. Alors, si Mounsa a l'Éternel, c'est qui est-ce qui établit? Oui. Mm-hmm. Si Mounsa a l'Éternel, lui dit que j'ai été établi. Depuis l'éternité. Oui. Ça veut dire qu'il y a Mounsa qui établit. Mm-hmm. Bon. Nous parlons plus loin. Oui. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ah ah! Dès le commencement. Qui est-ce que nous avons dit là au commencement? C'est-à-dire la parole. Dès le commencement, mais avant l'origine de la terre. C'est-à-dire, il va même dire avant la terre, non? Oui. Il dit avant première terre. Oui. Amen. C'est comme s'il devait dire avant la terre originale. Oui. Parce que là, nous venons le bon Dieu qui a dit que la terre et que la lumière soit. Oui. Nous ne pouvons jamais écouter le bon Dieu dit que la terre soit. Non. Non. Oui. Dans toute Genèse, nous ne pouvons jamais écouter le bon Dieu dit que la terre soit.
Nous pas besoin de côté bon Dieu dit qu'il y a des eaux sur la surface de la terre. Nous pas ni côté bon Dieu créer de l'eau. Ouais. Ni côté créer la terre, n'a prend des éléments ça, aucun autre élément nous pas côté le créer tout mais n'a prend des éléments ça. Tant coup de l'eau avec la terre nous pas côté bon Dieu te créer. Les noix libre là bien, nous voit que de l'eau était là. La terre était formée vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il avait dit de l'eau était déjà là. Bon Dieu dit c'est pour de l'eau, rester en haut. Et puis pour de l'eau en bas, rester en bas. Et puis pour qu'on espace entre deux de l'eau. On de l'eau en l'air, on de l'eau en bas, et puis on espace. Lui dit c'est pour qu'on espace entre de l'eau en haut et de l'eau en bas. C'est ça qui permet nous chita là, et nous faire même comme ça, et puis même pas frapper dans de l'eau. Parce que de l'eau est sortie sur la terre, il est joué qu'en haut dans le ciel. On ne peut pas être capable d'exister là, je dis, hein, pas d'avoir bien pied bois, pas d'avoir rien du tout, parce que l'espace qui était existé là, il était plein avec de l'eau. Bon, si nous comprenons. C'est de l'eau seulement qui est sorti, il n'est pas en bas. Mais jusqu'en haut. Maintenant, l'Éternel dit, c'est pour de l'eau qu'en haut, on est en haut, pour de l'eau en bas, on est en bas, et puis en deux de l'eau, vous avez l'espace. C'est ça, nous relais le firmament. Ça relais l'espace, côté mounia brouillé, fusée, etc. Il y a brouillé dans l'espace. Maintenant, espace, ça vient créer. Alors, qu'est-ce que nous est? Nous est que, comme M. Ati parlé, il a parlé avant Nibéla, il dit. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine, dès le commencement, avant l'origine de la terre. L'origine de la terre, nous pas venu dans Genèse chapitre 1, verset 2, 3, 4, 5. Origine de la terre, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 1. Parce que, là, l'Éternel. Pral parler à Glou, était déjà là. Là, l'Éternel pral fait la terre paraître, la terre était déjà là. Il dit c'est pour qu'on y arrête de l'eau en bas. Il dit c'est pour de l'eau aller quoi. Mettre quoi sur côté. Et puis pour c'est sec là paraître. Et pas les sabots de créer. Terre était déjà là. C'est de l'eau qui te couvre. Maintenant, nous voyons en Genèse, l'Éternel dit, m'après les piles de l'eau, les amas, piles de l'eau, mer, et m'après les secs côté par de l'eau, terre. C'est pas les sables de créer. De l'eau te couvrir, et puis, il voyait de l'eau en bas. Et puis, il quittait en bas. Il prenait un peu de l'eau, râler, le mettre sur côté. Il dit, de l'eau, ça m'après l'eau. La mer, c'est ça nous sommes à l'air. Monsieur Kapale a dit, le bon Dieu t'a fixé son limite. Ben, la mer. Maintenant, il dit, avant l'origine de la terre, on était là. Et là, il t'a fait la mer à limite, il ne peut pas couvrir le ciel. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Moi, j'étais enfanté. Soulignez-moi le mot enfanté, ça veut dire naissance. Moi, tu prends naissance lorsque pas de gain aucun abîme. Qu'est-ce qu'un abîme? Un abîme, c'est un trou sans fond. On met à descendre la dedans on commence à descendre, on ne peut jamais jouer de côté pour poser pied. Mais la Bible a dit, non, quelque part d'autre, là, nous allons aller plus loin, nous allons pour bon Dieu, tu fais la terre, il trace un cercle à la surface de l'abîme. Ça veut dire, monsieur, ça qu'a parlé là. C'est là, depuis avant l'abîme, non, c'est là. Son homme, quand c'est un peu lui. Il a longtemps. Il a longtemps. Fait, l'autre, pas encore qu'il y a l'abîme, lui-même, il était fait. Ça veut dire, c'est la première des œuvres que bon Dieu t'a créé. Point de source chargée d'eau. Pas de source qui dégaine de l'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que tes gens monde qui dure, qui endurci, qui vienne faire une chaîne de montagnes, avant que les collines existassent, avant que tes gens timon pour mon monter descendre, je fus enfanté. Moi-même des gens temps prend naissance. Il n'avait pas d'accord avec moi. Moi dit, elle me dit prend naissance. Parce que enfanté, vous dit prend naissance. Me dit
prend l'essence, nous avons prend l'essence, nous avons enfanté. Qui est-ce qui a enfanté Mounza? C'est l'Éternel. Parce que l'Éternel m'a créé la première. Le 16 œuvres. Ce n'est pas qu'à l'Éternel. Parce que Mounza, il dit que l'Éternel t'a créé comme première œuvre. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Laisse ça, bon Dieu pas encore fait en rien du tout. Le bon Dieu était fait, non? L'homme dit prendre naissance là, pas de rien du tout. L'homme vient prendre naissance, pas de rien. Fait, je senti que le monde qui a parlé là, c'est le monde ça que nous jouons dans un chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Parce qu'elle dit, moi, l'homme t'est fait là. Oui, beaucoup. Pas de rien du tout. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ni le premier atome de la poussière du monde. Il dit, même une petite poussière, une petite graine de poussière pas d'exister. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Il dit, bon. Je vais montrer nos bagailles. Le bon Dieu t'a disposé ciel, ouais. Il là. Et nous ne voir comment il était là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Ah ah. Il était là avant qu'il y ait abîme. Et lorsqu'il y ait abîme, il était là. Le bon Dieu a tracé un cercle sur la surface de l'abîme pour mettre la terre. Il était là. Il était là. Et ça, il t'a fait même. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, et sources qui sont dans l'abîme, ils ont fait de l'eau sur dehors. Lorsqu'il donna une limite à la mer, l'Éternel dit la mer jusque là et pas plus loin, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Pour l'eau pas franchir bonio. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, l'Éternel posé fondement la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Alors, nous sommes avec qui est-ce? Oui. C'est Jean chapitre 1, verset 3. Oui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Qui ça t'a fait même? L'elle était là, elle t'a tracé son siècle là. Qui ça t'a fait? Qui ça t'a fait? L'elle était là, il dit j'étais à l'œuvre. À l'œuvre. Oui. J'étais à l'œuvre. M'était là. Oui. Je me pose des questions. Ça t'a fait? Il était auprès de lui. Qui lui ça? L'Éternel. Et ça, il t'a fait auprès de l'Éternel. Il t'a travaillé. À l'œuvre. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est-à-dire créé lui comme un outil. Oui. Jean chapitre 1, verset 3, dis-nous qui est-ce? Oui. Toutes choses ont été faites par elle, c'est la parole. Et nous voyons qui ça t'a fait. Nous voyons qui ça t'a fait. Oui. Et nous voyons ça t'a fait à partir de qui moment elle t'a fait. Parce que ça, bon Dieu, t'a fait plus longtemps, il m'a mis des gâteaux là. Avant l'Éternel, t'a tracé son sexe, sur ce passe Abîme, non, il était là. Abîme, pas même encore là, il était là lui-même. Et le bon Dieu t'a disposé ciel, yo. Bible a dit, au commencement du créa, les cieux, le bon Dieu t'a fait ciel, il était là, beaucoup de bon Dieu, a fait qui ça? A travail. Il était à l'œuvre auprès de Dieu. Oui. Fait, qui est Jésus? C'est la parole. Oui. Et c'est celui-là qui t'a créé les choses avec dextérité, bon Dieu. Oui. Bon Dieu servit avec elle comme un outil pour créer les choses, mais l'Éternel l'a créé la première de ses œuvres. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. La pointe de Saint-Piba, pour nous appuyer clair toujours, qui est ce monde lié. Je faisais tous les jours ces délices. Nous t'a fait qu'elle content. Même lorsque nous partons là dans la création ciel, la création de la terre, mais nous te ouais, il t'a fait délices, bon Dieu, parce que là, l'Éternel fin dit, c'est pour gagner deux grands luminaires dans le ciel. Et puis, ça deux grands luminaires paraître, l'Éternel dit. C'était bon. Ça veut dire qu'il est satisfait. Ouais. Il est content. Les délices d'un homme lui dit que son cœur est satisfait. C'est ça. Il était d'accord avec cette fête-là. Il était remis à cette fête-là. Il était content pour cette fête-là. Il dit, il était bon côté et je faisais les délices de son cœur. C'est extraordinaire. L'autre monde qui a la parole. Jouant sans cesse en sa présence. Il est toujours à travail. C'est pas jouer faire jouer petit tato. C'est pas jouer pour jouer Marel.
jour loin sans cesse, c'est-à-dire jour étant coulé, nous avons travaillé, et puis, moi, tu as fait base en caille, et bien après ça, mener l'autre boss pour couvrir, me dit jouer pour. Nous avons joué, ou même moi, je joue qu'on y a. Ce n'est pas un jouet comme si pour baiter tout un peu de plaisir, mais c'est jouer dans le sens de travail, dans le sens de jouant sans cesse, et comme j'ai dit, travaillant sans cesse en sa présence, et il t'a fait les délices de l'éternel. Jouant sur le globe de sa terre, moi t'es là et ma travail sur globe la terre, pour la tête fine là, ma travail sur globe là, c'est-à-dire pour mettre toute bagaille qui vient sur la terre, je dis yo. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et me sentir bien, pour me sentir bien pendant que me t'ap marcher parmi les fils de l'homme. Et ah, mon cher Gale, il était vivant sur la terre tout. Oui. Hein? Parmi les fils de l'homme. Même si c'est de la pensée, même si l'homme n'est pas encore là, à ce moment de la durée, mais il était joué une bonne parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix. Maintenant qu'on y a un monde qui a parlé, hein? C'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. On a tout le monde qui a parlé. Qui a parlé, c'est Salomon. Oui, oui. Salomon a parlé, mais avant, c'était la parole qui t'a parlé. Là. Oui. C'est pas ta qu'à Salomon. Non, il n'est pas ta qu'à Salomon. Il n'est pas ta qu'à Salomon. Salomon, c'est petit David. David, c'est petit Isaïe. Fait, le qui t'a parlé là, c'est lui-même qui t'a créé les choses. C'est lui qui était là avec bon Dieu dès le commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, Mounsa qui t'a parlé, il était là après bon Dieu était fini là. Premier bagage qui existait, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alors, n'a pas été Moun qui t'a capable de détourner parole Zanabia ou bien et pas d'accord avec elle, n'a pas été au défi. Oui. Pour dire nous qui est ce monde ça? Oui, oui, oui. Que l'Éternel t'a créé la première de ses œuvres. Oui, 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 oui. Et c'est son ange. Oui. Comment il est? Comment il est? Qui a été ange lié? Oui. Qui puissance lié? Parce que monde ça t'a parlé à lui créer les choses avec l'Éternel. Oui. Il était à l'œuvre. Il était là même avant mon Dieu te fait les cieux. Oui, 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 oui. Avant ses œuvres les plus anciennes, il était là. Alors, n'a pas été au défi pour un monde nous, qui est ce monde ça qui était là si longtemps que bon Dieu t'a créé, hein? Puisque il dit nous Jésus c'est pas un être créé, mais monde ça t'a parlé, hein, pour dire nous qui est lié d'après Proverbe chapitre 8 verset 1 à 22 à 30. D'après Proverbe 8, verset 22 à 31, pour ta dit nous, qui est ce monde ça qui était là si longtemps comme ça, pour nous et puis pour prouver nous dans la Bible que c'est lui-même. Parce que le monde ça qui a parlé a dit l'Éternel créé comme la première de ses œuvres. C'est lui-même qui crée toute bagaille avec l'Éternel. C'est lui qui était là avant la terre, était là. Avant que tu aies abîme, il était là. Oui. Avant que tu aies un atome de poussière, il était là. Avant les œuvres qui sont anciens, il était là. Il était là. Ça veut dire, Mounsa, c'est un homme qui a une bouche, une intelligence, qui a certainement des mains, parce qu'il a fait les choses. Et il connaît ça, l'abdia. Nous t'a mis au défi n'importe monde qui dit que l'Éternel, c'est Jésus. Pour dire nous qui est ce monde athée, est-ce que c'est l'Éternel qui a parlé de tête lui? Oui. Dit moi-même l'Éternel, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est là qui est extraordinaire. Alors, nous pensons que nous faisons bon aller là. Oui, et puis, oui, n'a oui. pas bon chose pour faire opiner sur ça. Tandis que les amis nous ont tout à opiner. La PDO, pour comprendre ça, n'a fait une petite littérature autour de ça. Pour nous, qui sait, nous comprendre après tout ça, nous finissons là. Est-ce qu'il y a quelques-uns parmi nous qui ont quelque chose à dire? Quelques remarques? Lorsque le texte a dit, nous lisons dans Jean chapitre 1er,
Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous sommes dit à l'heure dans la Genèse, nous voyons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, après, nous finissons par comprendre que c'est Jésus qui a parlé. Oui. Dans verset 24, là, il dit une belle parole qui vraiment touchée, il dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Oui. Et nous voyons dans le reste de ça, comme on l'a montré, que l'Éternel pour te créer la terre au commencement, dans la Genèse, au commencement de créer la terre, pour te créer la terre, il faut le tracer au sec, en sec sur l'abîme. La, sur l'abîme. La la mais mon santé là, l'abîme n'est pas encore là. Oui, mon santé là. La terre n'est pas là quand il est là tout. Oui. Mais l'abîme là, c'est sous, c'est en bas l'atelier. Il faut qu'on sèche sous tête abîme là pour mettre la terre. Fait, si il était là avant l'abîme là, il était là avant la terre. Nous ça était là vraiment longtemps parce que même la terre peut être créée. La terre pas abîme là tout peut être créé. Parce qu'il bien parlé là pour le montrer que abîme là il peut être créé. Maintenant ça me donne à comprendre c'est au commencement ça Genèse parlait Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement, c'est que la parole était avec Dieu. Abîme, dans tout, fait partie de ce commencement-là. Oui. Oui. Abîme, c'est une des œuvres parce qu'elle parlait, elle dit comme ça. Moi, c'est une des œuvres qui est ancienne. Qui est ancienne. Oui, parmi toutes les œuvres qui c'est abîme. Ça veut dire, monde, ça. Ils sont créatures. Oui, ils sont créatures. Et puis, il dit ça. L'Éternel m'a créé. C'est ça. Premier de ses œuvres. L'Éternel créé, oui. Parmi toutes créatures que bon Dieu créé, lui-même, c'est le premier ça. C'est le premier ça, mon Dieu te créé. Et puis avec lui-même, parce que c'est un monde qui connaît, c'est pas un monde qui a parlé là, et qui a douté de ça l'a dit. Non. Il vraiment connaît ça l'a dit. Il parlait de l'abîme, oui. Il parlait de terre, il parlait de ciel là, il parlait de bagaille, ouais. De ça tout ça que bon Dieu te fait, puis longtemps, il m'a mis des là avant. Et ça me comprend encore l'autre fois, Philippe, dans la zone côté où il est, nous, le monde, ça l'est mieux placé. Pour expliquer mais comment l'Éternel t'a créé œuvre voilà, ça plus voilà voilà oui. Un monde qui pas prend oui. Les son amel oui. Pas prendre rien du tout l'était là oui. L'était là parce que nous pas ouais lorsque bon Dieu a créé ciel yo dans Genèse il pas montré nous ça mais seulement dit nous au commencement Dieu créa les cieux oui. Et la terre oui. L'autre bagage mais nous pas qu'on a qui ça le défait ouais, pas qu'on qui ça le défait avant oui. mais juste avant Genèse oui, oui. Mais lui même monde ça puisqu'elle était là lui dit mais qui ça bon Dieu t'a fait le procès. Et oui. Tracer la terre. Alors avant de créer abîme. Oui. Oui. Ça nous pas d'abord je me connais. Oui, je me connais. C'est lui qui peut dire. Et nous pas je me connais si la terre c'est son abîme lié. Je me connais. Nous pas connais si bon Dieu te trace son sec sur abîme non. Elle était avant de mettre la terre. Nous pas connais que c'est disposé. Tendez ça. Oui. Il pas dit Dieu a créé les cieux tout simplement là lui-même. Il dit lorsqu'il dispose les cieux. Il avait dit la mettre ciel lui on a pris là. Là, nous même nous levons tête, nous regardons les nouvelles nuages. Oui. Mais nous par contre comment on fait là? Oui. Lorsqu'il fixe ça. Non. Lorsqu'il dit ça. Oui. Lorsqu'il place ça. Oui. Lorsqu'il fixe ça. Lorsqu'il fixe ça les nuages. En haut. Il tape fixé en l'air et tout un nouvel nuage. Nuage va marcher et nuage pas jamais descendre sur la terre. Oui. Ça veut dire fixé, ça veut dire libérer une limite côté pour eux rester. Les fixer les nuages en haut. Et puisque c'est lui-même qui était là avant, c'est lui en tant que témoin qui était là lorsque Moïse a fait baiser. Autant qu'on dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Auprès de lui. Donc c'est lui-même qui a dit nous vrai, ouais. Mais qui s'est fait. Mais qui s'est fait. À l'œuvre, ça veut dire que je travaille. Oui. Et chaque jour, je me fais quelqu'un content. Oui. Ça veut dire que je me fais baiser bien. Oui. Vous vous dites, baiser, tu as l'air expliquer le texte là. Lui a montré, et ça fait me penser avec ça, parce que dans Genèse, où l'Éternel a seulement parlé, il dit que la lumière soit. Oui. Et la lumière fuit. Et puis, lumière fuit. Ça veut dire, l'elle dit ça, Goumoun Kalfel. Oui, c'est ça. Oui, ben, ça dit, oui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Fait, l'Éternel dit que la lumière soit, et puis la bon monde qu'elle fait. La obéissance. Obéissance. Et puis, la lumière dit ah, bon. C'est vrai parce que Genèse, ou après ça, oui. Chaque salle l'Éternel crée, l'Éternel dit les bon. L'Éternel dit les bon. L'État fait des listes. Ça veut dire, oui, c'est ça. Obéissance. Ma balance anecdote. Moi, j'étais au Canada, et puis. Moi, j'ai quelque chose pour parler avec quelqu'un qui travaille dans l'usine parce que je cherche un petit job. Alors, il a expliqué moi une histoire dans le séminaire MDE pour montrer nous comment nous devons être créatifs. Nous devons être capables de prendre des initiatives. Il y a un patron qui a une usine et puis il y a des machines
en dedans. Et machine, ça, ça, vous fait avec yo, c'est l'autre machine, vous fait pour faire l'autre bagaille. Alors, il y a deux machines qui ont fait machine. Quand il y a là, il y a un grand problème. Il y a un client qui m'a dit une machine. Mais son machine, il n'y a pas beaucoup de machine ça. Le client dit, il y a besoin de machine pour faire telle ou telle chose. Donc là, pour commencer à dire, il y a des machines qui ont créé, qui sont capables d'aller dans le jardin là, non seulement il y a des machines pour labourer terre, mais il y a des machines calées qui plantent le jardin. Il y a des machines tout, qui rentrent dans le jardin maïs, et puis ils récoltent maïs, ils calent les épis maïs, ils grainent les graines maïs, et puis ils mettent dans le sac. Et bien, qui est extraordinaire. Mais c'est comme ça, des hommes, ah ben, ils ont demandé une usine pour dire, mais telle machine besoin. On y a, bonjour, bon client qui m'a donné une machine. Il n'y a pas de faire machine là. Mais pour faire machine là, il y a une pièce pour mettre dans la machine là, il n'y a pas de pièce là. Et puis, il dit, patron, nous avons besoin de telle pièce qui fait tel genre, nous n'avons pas de pièce là. Patron, il dit, mais, Alphel. À créer une pièce là. Oui. Pour créer une pièce, vous avez fait l'autre pièce. Mais comprennent que ce qui est extraordinaire, lors la parole était devant Jésus, ah ben, la parole vient pour satisfaire bon Dieu. Oui. Bon Dieu dit, qu'il y ait, ça veut dire, ben, l'autre. Oui. T'as coupé à toi qui dit, à créer une pièce. Oui, à créer une pièce. Ou pas bien ça, ou pas bien la vie de mon bagage. C'est pour dégager pour faire. Ouais. L'Éternel dit, je veux en haut pour gagner de grands luminaires. Oui. Youn pour présider la journée, pour présider la nuit. Et la parole dégage, il dégage. Il peut tout l'aider. Et puis l'Éternel garder. L'Éternel garder là, il dit, ah, mon cher, ça c'est bon. C'est bon. Chaque bagage que bon Dieu veut faire, il m'a dit la parole pour la parole. Là, mes amis, il a gardé dans la jeunesse pour ça, c'est vrai, c'est pour ça lié. L'Éternel parlait. Et puis, il a fait. Oui. Et puis, c'est comme si l'Éternel a gardé pour lui. C'est les 22 de nos spectateurs. L'homme n'a pas quoi comprendre que c'est Jésus qui fait bâle. Il y a un gros problème. Parce que moi, l'Éternel dit qu'il y ait de grands luminaires pour présider la journée, pour présider la nuit, pour gagner les étoiles. Oui. Après, l'Éternel dit c'est très bon. Il dit là, comment on fait dire le bon là? Oui, c'est ça. Si c'est lui qui fait. Oui. Comment on fait ça après, ça le bon? Hein? Comment faire ça après le film fait et puis il dit c'était bon. Le film fait l'homme même il dit c'est très bon. Ça ne veut pas le faire. Non. Va le faire. Il y a un monde qui va l'autre pour faire là. Et puis il a analysé, supervisé. Il dit ah ça c'est bon. Et puis l'homme il dit c'est très bien. J'aime dévoiler là. C'est qu'on s'allie. Ça veut dire gagner. Yon puissance, ouais. Yon monde, si vous voulez, ouais. Yon créature qui fait les choses pour l'Éternel, devant l'Éternel. J'étais sans cesse à ses côtés, jouant en sa présence, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais sans cesse ses délices. Ça veut dire tout ça me défait, il était remède. Il était d'accord, il était content. C'est extraordinaire. Alors, ça, comme dit, c'est un paquet de mystères qui a cassé la soya parce que nous avons dit le monde entier des savants et même il a fait livre comme ça pour dire que la terre tourne autour du soleil. Mm-hmm. Mais Jésus, c'est lui-même qui peut être là pour t'expliquer comment ça expliquer nous si la tourne est vrai. Oui. Est-ce que la tourne est vrai? L'utilité là lorsque mon Dieu t'a posé fondement la terre. Ah, ou donc, quelque chose qui a des fondements ne veut pas tourner. Ne veut pas tourner. Alors, Jésus dit ça clair. Oui. Il place sur des fondements. Nous comprenons que si ce n'est pas un monde qui était là, ou bien si c'est un monde qui était à travail tout dans le bagage, ça c'est pas bon. C'est un spectacle qui est à travail. Non, qui est à travail dans bagage. C'est lui qui a dit tout le bagage. C'est celui qui a expliqué nous ça parce que si nous seulement avons dit que tu es là tourner autour du soleil, mais nous pas que jamais aller vrai pour nous ça, mais c'est un monde qui était là qui a travaillé qui a dit nous que tu es là placé sous des fondements. Et que c'est Jésus même qui dit ça là dans le proverbe. Et que bon, il était là. Et puis il a travaillé dans ça lorsque bon Dieu il a posé fondement la terre. Un témoignage qui est vrai. Ça, c'est un mystère. Oui. Et l'autre bagaille tout, que moi, dans verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Mm-hmm. Le noir, le Colossiens, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ouais, ça, là, clairement, il disait Jésus. Oui, 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 Jésus. Oui. Clairement.
Clairement. Ça sans embâge, oui. Il est le premier né de toute la création. C'est-à-dire, avant toute création, hein, oui. C'est lui-même qui était là. Oui. Ah, c'est extraordinaire. Hein? Oui. Moi-même, j'ai la Bible coordonnée. Il y a un texte qui est écrit oui. Des millénaires oui. Avant l'autre, oui. Et puis tous les deux disent même bagaille. C'est extraordinaire. Et puis le verset 16 dans le Colossiens 1er, nous, ouais. Il dit car en lui ont été créées toutes choses, mm-hmm. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les choses visibles et les choses invisibles. Il a dit on de radio, voilà, qu'on y en a parlé là, et puis il y a des amis chez Talakayo qui ont gardé nous, qui ont écouté nous. Oui. Fait, chaque rend ça possible, là, c'est pour bagaille les hommes fait. C'est pas une invention, les hommes liés, qui fait que m'a parlé là, et puis on est capable de garder, c'est pas l'homme qui fait ça. Mm-hmm. L'homme découvre ça. Oui. J'ai découvert, mm-hmm. Mais c'est bon Dieu qui t'a établi ça. Ça veut dire depuis l'éternité, avant que la terre avec les cieux t'ait créé, mm-hmm. Bon Dieu t'a connu, ou t'a chita devant un petit récepteur que l'homme t'a fait, mm-hmm. Et puis t'a chita là devant une caméra, devant un micro, l'homme t'a bien pour tendre, et l'homme t'a bien pour ouais. C'est ça que fait je dis, émission ça vient à temps. Mm-hmm. Oui, tendez. Oui. Après, après ça fait. Mais bon Dieu te prévoit ça. Mm-hmm. Mais comme ça, non seulement moi t'a exhorté nous tous qui là pour nous continuer le travail parce que bon Dieu te connaît. Oui. Oui. Qui nous tape là. Oui. Mais n'a pas exhorté les amis, les spectateurs et tout, pour toujours là brancher parce que bon Dieu t'a fait provision pour nous. Oui. C'est pas un bagage que l'homme créé, inventé la télévision, inventé la radio, mais c'était plan. Bon Dieu, oui, oui. Parce que c'est un code qui relie entre nous-mêmes là, à Zané qui a coûté nous, dans Savo, qui a coûté nous, dans Port de Paix, qui a coûté nous, dans Akaye, qui a coûté nous, n'importe qui côté, ouais, t'es côté, ouais, côté, hein? Ben, quel que soit côté qui a gardé nous là, son plan que bon Dieu te fait, ça veut dire, il faut profiter de ça, bon Dieu a fait, et puis, qu'on y a ces temps, après longtemps, nous sommes dans pile de bagaille qui dit pas vrai, c'est temps pour nous chita. Pour nous dire où, nous appelons dans Proverbe chapitre 8, oui. Verset 22, oui. Et puis pour prendre Bible pour tout, oui, ça. Oui. Pour garder, et puis pour oui, ensemble oui. Avec nous, oui. Et puis pour tendre, ça nous dit dans le verset A. Et pour même pendant que garder, pour aussi, ça nous dit A. Oui. C'est vrai. Oui. Ah, ça c'est extraordinaire. Moi, mais ça. Alors, étant donné que Régis a fait nos signes là, il a fait une petite pause. À vous, Régis, il y a une pause, s'il vous plaît. Alléluia. Thank you.
Après moi, pas de gagné. Avant moi, pas de gagné. Après moi, pas de gagné. C'est moi qui l'éternel. Alors, nous capons comprendre ça. Après l'éternel, pas besoin de gagner personne. Avant, pas de gagné. Nous avons été venus pour nous montrer le texte. Parce que nous avons une émission où il est tendu à quoi c'est dit. Nous avons des textes en Bible qui dit, côté l'éternel, même à parler, il dit, je suis l'éternel. Avant moi. Il n'a pas été formé de Dieu. Oui, oui. Après moi, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura point. Oui. Fait, l'éternel n'a pas de rival. Non. Il n'a pas de avant, non. Il n'a pas de Dieu après. Oui. Fait, tout ça qui existait devant la face de Dieu dans l'univers, c'est créé, bon Dieu oui. Créé. Oui. Commençant par Jésus. Oui. Mm-hmm. Oui. Il fut enfanté. Oui. Oui, il fut enfanté la oui. Première de 16 heures. Oui. C'est l'éternel m'a créé oui. La première. De 16 heures. Lorsque pas de gagné du tout, je suis enfanté. Oui. Ça me dit, me prend naissance. Oui. Père, Jésus n'est pas Dieu le Père, il est un être créé. Dieu l'a créé. Oui. La naissance. Ah. Oui. Oui. Ça, c'est pas extraordinaire. Oui. Alors, nous parlons de Colossiens chapitre 1 avant de chancrer pour aller plus loin. Colossiens chapitre 1, nous avons 10 ans minéraux pour faire diligence, pour chercher verset A. Si vous n'avez pas de joindre ni, eh ben, vous êtes capable d'écrire texte sur un cahier, sur un feuille papier, ou à lire après. Et si vous avez des questions sur ça, vous avez dit, ou à faire nous connaître. Cependant, nous avons tout dit, vous déjà, si vous posez nos questions sur l'autre bagaille, eh ben, nous ne pouvons pas répondre à la question ça. Oui. C'est des questions qui rapportent dans ça, nous avons dit là. Oui. Nous avons des paysés qui ont des questions là, et qui ont des débats là, mais pour nous répondre, nous. Sous on c'est qu'il en bas de la mer. Il y a ce qu'on appelle la flore sous-marine, c'est vrai. Oui. On va pas répondre pour dire qui poisson qui plus gros, qui est plus goût, qui bon goût passe l'autre, un poisson la rivière avec poisson la mer. On va pas répondre à ça. Oui. Mais n'a pas le sujet que n'a pas le c'est qui est Jésus. Yes. C'est ça qui est première préoccupation. Alors dans Colossiens chapitre 1er, c'est le verset 15 qui dit nous. Alors, avant le verset 15, on a pris le verset 13-14. Verset 12. Rendez grâce au Père. En nous rendant grâce, by bon Dieu, Papa. Qui vous a rendu capable. Qui rend nous capable. D'avoir part. Pour nous capables de participer. À l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage saint et au cap marché dans la lumière. Saint et au cap marché dans la lumière, c'est saint et au cap marché dans Jésus. Oui, ça. Il est la lumière des hommes. Parce qu'il est la lumière des hommes. C'est eux à marcher dans la lumière, Christ là. Selon Jean chapitre 1er. Selon Jean chapitre 1er. Parce que la parole était la lumière des hommes. Ou encore, Mounio cap marcher à la lumière de la parole. Sous beaucoup de Jésus, mais n'a dit la parole. Ça n'a pas qu'à dire le bagage. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints qui marchent. De la lumière. De la lumière. Oui. À la lumière de la parole. Oui. Mm-hmm. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puissance ignorance, puissance très noire. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a transportés dans le royaume du Fils qu'il a tellement aimé. Oui. Mm-hmm. Mais Dieu a un Fils qu'il a tellement aimé. Il dit que c'est le fils de son amour. Mm-hmm. Fait apprendre grâce à un papa qui gagne un petit. Il tellement aimé petit ça. Lui prend des saints qui marchent à la lumière de petit ça pour le transporter au sein des ténèbres pour aller dans la lumière. Ah, c'est clair ça, hein? Ouais. Plus loin. Oui. En qui nous avons la rédemption. Non, lumière ça, dans petit l'amour ça, nous joignons. Rachat, nous voulons que bon Dieu vienne racheter nous pour prendre nous, repayer pour nous encore. La rémission des péchés. Nous voulons pardon pour pécher nous, bon Dieu, nous détaille, nous mettre à l'eau, pardon encore. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, petit l'homme, ça, hein, oui. Qui oui. C'est la lumière, la oui. Donne, laisse un marché, oui. Lui, c'est image oui. En Dieu, qui est invisible. En Dieu, qui est invisible. Fait, Dieu que nous connaissons qui existait dans les cieux, lui invisible. Ouais. Il n'y a pas d'aujourd'hui de là. Mais, bon, seul gens, si nous avons besoin, ouais, bon Dieu, ya, c'est image à mon ouais. En nous remplaçant, image à mon autre mot, photo.
lise photo, bon Dieu, moun pa ka wè a. Mais là, moun wè photo a. Ou tout compte comment. Ou compte comment, bon Dieu. C'est comme si quelque chose que nous avions bah, qui est légendaire pour pa ka wè, et puis on représentait le baron. Il fut un temps, un pape, c'était un personnage légendaire, pas bon moun qui était kadil de konwè un pape. Il était à Rome. Les gens qui étaient connus là, c'est les gens qui sont autour de lui. Et ils n'ont pas même de carouel facile. Même les rois n'ont pas de carouel en pape facile. Ils ont raconté une histoire d'un homme en Angleterre ou l'autre en France qui passait des jours à genoux dans la neige, à attendre pour lui donner une chance, la faveur pour la louer en pape. C'est un gros escalier pour monter jusqu'au côté pape là, et juste en l'air. Il faut monter escalier ça à genoux. Sans ne pas lever campé, sans ne pas lever tête. Et pape là, c'est excommunié, le roi, et roi a passé des jours dans la neige là, à tonne pour pape là, balayer absolution, pour pape là, recevoir lui, parce que son personnage, il n'y a pas de connoué facile. Fait. Là, nous parlons de monde qui est invisible, il y a des mondes qui sont sur la terre, mais qui sont invisibles. Ils ne sont pas invisibles pour tout le monde, ils sont visibles seulement pour les amis. Oui. C'est même Jean, bon Dieu, tout le monde est invisible. Le seul monde qui n'est pas invisible pour lui, ouais. C'est Jésus. Il est l'image. Mais pour bon Dieu qui a fait le monde connaître, nous te voyons hier soir, lui parler. Premier bagage bon Dieu fait pour mon cas qu'on est là, il parlait. Deuxième bagage il fait, après mon fin de temps, le temps d'elle, parce que là, tant de la vine pas assez, au besoin ou et tout, avec bon Dieu, prend l'image, il met dans la parole là, il fait parole à tout le monde, et puis il voit elle. Tout le monde qui a fait. Ça fait deux. Ou tant de bon Dieu d'abord, oui. Ensuite, quand on vient voir bon Dieu. Ça fait Jésus, dans Jean chapitre 14, on te dit ça, ainsi c'est sous l'Empire le soir. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pas que Jésus est le Père, non. Parce que ça, Jésus dit à même mon Dieu qui est mon papa. Oui. Il dit, celui qui m'a vu, a vu aussi le Père. Non seulement les deux à eux font seul, ils font ensemble, mais c'est lui-même qui c'est seule photo qu'on a parce que personne ne peut voir Dieu. Oui. Il est invisible. Pour voir mon Dieu, si vous voyez mon Dieu, va mourir. Il y a un prophète, c'était le prophète Élie, qui te dit l'Éternel. Oui. Il y a Moïse tout qui te dit l'Éternel. Oui. Moi, avoir nos amis, nous bien toute la journée n'a pas parlé. On m'a aimé pour ta faire moi parce que on t'a de voir tout le temps même pas j'en moi c'est elle dit Moïse ou pas car ouais face moi parce que sous ouais moi ou pas mourir oui parce que moi c'est du feu dévorant il dit mais comme moi avoir nous bien pile mais ça va faire on va cacher là et puis on va le passer là me fin passer ouais ouais me pas derrière oui là l'état de fin passer vrai avec c'est ça Moïse retire tête lui. Et puis lui ouais, l'Éternel qui peut aller. Frère, personne n'a jamais vu Dieu. Si vous ne trouvez pas le monde dans la face, vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas dire que la réalité est vraie. Or, Dieu est invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est ça que ça dit. N'a pas remplacé mon image là par l'autre mot. Il est la photo du Dieu invisible. Il n'a pas dit photo de l'Éternel. Non. Mais nous-mêmes, nous allons comprendre qui est ce pour Dieu. Oui. Jésus est l'image de un Dieu qui invisible. Invisible. Père, personne ne peut pas voir bon Dieu. Pour voir bon Dieu voulait nous voir. Et bien, comme ça, le banon Jésus, le nous voir Jésus, nous voir bon Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Il est l'image du Dieu invisible, celui qui m'a vu. A vu le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Ouais. Mm-hmm. Tu ne m'as pas connu. C'est pas parce que Jésus c'est l'Éternel, mais c'est parce que il est l'image de l'Éternel. Oui. Ok. Le premier né de toute la création. Ah, qui ça Jésus encore? Il pas seulement ses photos, bon Dieu.
c'est le premier né, qui prend naissance oui. dans toute création. J'ai fui enfanté. Proverbe chapitre 8, verset 22. J'ai fui enfanté. Proverbe chapitre 8, verset 22. Il est le premier né de toute la création. Avant qu'il existait quoi que ce soit, avant qu'il existait un atome de poussière, avant qu'il y ait un abîme, avant qu'il y ait un siècle à la surface de l'abîme, j'étais là. J'étais là. Et l'Éternel m'a enfanté la première de ses œuvres. Fait ce Jésus-là que nous jouons dans Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14 et 15, eh bien, il est l'image du Dieu invisible. Il est aussi le premier-né de tout. Moi, mais Jean, il dit ça. Un pile précision. Il n'a pas dit il est le premier de la création. Il a dit c'est la création de tel bagage. Oui. Mais il dit le premier de toute la création. Il est avant toute chose. Oui. Toute chose subsiste en lui. Oui, dit ça. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fait, ce personnage-là, dans Colossiens chapitre 1, ce personnage-là, dans Proverbe chapitre 8, ce personnage-là dans Jean chapitre 1 n'est autre que Jésus. Alors, nous pensons que quand il y a quelques amis qui ont besoin de faire un petit parler avec nous, si vous êtes capable, nous avons dit vous mettre un SMS sur le numéro ça. 36 27 79. On a quand même essayé de prendre quelques appels. Opérateur 95, que ça possible. 36 29 77 79. Bien entendu, poser des questions sur ça que nous dit là. Ok. Sur ça, j'avais dit live, ou capable de monter sur le téléphone ça, et puis pour soit pour apprécier ça, Nabdia. Ou bien pour poser une question pour qu'elle comprenne, ou bien on doit venir à point de vue partout pour dire nous que ça n'a pas dit c'est pas ça. Et on dirait qu'il y a déjà 11 amis sur l'île, non? Allô, bonsoir. Tendez à quoi c'est deux, bonsoir. Tendez à quoi c'est deux. Il y a un bouton de vrai, il y a un kawé, il y a un qui existait, c'est tant d'autres. Et nous attendons à quoi c'est, nous attendons des gros bagages. Et nous pour gros bagages. Alors, nous sommes nous à quoi c'est de bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, one note. Oui, bonsoir. Bonsoir, on a besoin de vous faire moi. Bienvenue. Oui, allô, mon frère. Bonsoir. Merci. Allô? Allô, où mettez-vous là? Non, là, on met parler. Oui, on peut se manger. Oui, frère. Allô? Oui, on met poser des questions, on a besoin de vous. Non, je dis pas, bonsoir. Est-ce que les deux messieurs, les connaissances, ça, ça y est? La Bible dit Jésus qui devient pourtant, que maintenant, en tant que Dieu de mettre la terre, de mettre là par le roi Jésus, demandé pour qu'il t'aille de mettre là par le roi Jésus. Allô? Oui, alors question c'est qui ça encore? Est-ce que vous avez une question pour nous, s'il vous plaît? Frontier aller puis le récepteur et puis poser question et puis la bien passé. Reposer question encore s'il vous plaît. Les amis qui les raccrochés. Bon, les amis on va aller nous encore parce que nous perdu lui, nous pas bien entendu question. L'itéré était trop près récepteur là, ça fait nous pas bien entendu qui ça le tapis. Ok. Alors nous disposer pour répondre sur 36 29 77 77. Alors là on va brûler, là on va faire appel à des coups réalisés que appel va passer aller plus loin sur grand télévision ou en radio quelconque ou à écouter dans téléphone là. Là on va poser question là, là fini on met fermer téléphone là et puis on va tourner tout près radio ben tout près télévision pour qu'attendre réponse que n'a pas là.
Ok, d'accord. Et alors, il y a un ami qui a déjà envoyé pour nous un SMS. Mm-hmm. Il dit bonsoir, frère Mio. Papi, s'il vous plaît, fais une petite lumière pour moi dans la zone Sahara. Mm-hmm. La Bible dit bon Dieu était là avant ciel et terre. Avant ça, qui côté l'était, s'il vous plaît? Avant ciel et terre, qui côté bon Dieu était? C'est une très belle question. Si l'on prend bon Dieu et puis nous imaginer qu'il chita dans le ciel là, et puis dans l'autre côté le cas là encore, mais ça on a posé question. Avant de faire ciel qui bolte, mais bon Dieu, je dis, nous connaissons l'existé, ni dans le ciel, ni sur la terre. Dieu est dans l'univers. Ouais. Fait qui bon Dieu t'est. Il était là dans l'univers, qui pas encore là, parce que lorsque le texte là dit donc que Jésus t'a pris plaisir il a mis les hommes, les hommes pas encore les hommes. Mais Jésus était toujours là, a pris plaisir il a mis les hommes, mais les hommes pas là. Alors, il y a un monde qui dit, monsieur, il y a un monde qui s'est posé une question, il a dit le bon Dieu pour écraser ni les cieux ni la terre, dit le bon Dieu écraser les cieux ni la terre, côté bon Dieu a campé. C'est une question qui est genre absurde. C'est un presque même bagage pour un monde qui dit qui bon bon Dieu t'aille, l'elle t'a fait ciel yo avec terre. Avec terre. Mais bon Dieu t'est là. Mm-hmm. C'est s'il a fait ciel yo, ça veut dire qu'on côté le terre. S'il a fait terre, ça veut dire qu'on côté le terre. Mais c'est des questions, nous-mêmes, nous pas qu'à dire s'il était son pied bois, puis c'est pas de bien pied bois. Nous pas qu'à dire le temps bas de l'eau, puis c'est pas de bien de l'eau. Nous pas qu'à dire le dans ciel yo, puis c'est les abats d'un le ciel. Bon Dieu t'est là. Oui. Tout simplement, et si on monte à baiser connaît plus de bagaille, ça c'est vous-même pour vous-même pour aller voir bon Dieu. Oui. Parce que Gonlon a voir le well. Oui, nous l'avons tel qu'il est, nous sommes sans valeur. Et je pense que dans le règne millénaire, tout, vous avez des questions à cap pour Jésus. Parce que Jésus compte toute bagaille. Oui, oui. Oh, mon cher, là, garçon, compte bagaille bien. Je l'ai pas été là. Oui, oui. Il est là, oui, il est là. Il est là. C'est des questions que nous avons posées avec Jésus pendant le règne millénaire pour nous connaître qui bon bon Dieu t'es yé, qui bon t'es campé, c'est le chita. Parce que Jean-Paul, nous comprenons que Jésus, il est très possible pour Jésus connaître ça, parce que le premier ça bon Dieu créé, c'est lui créé. Premier monde Jésus, oui, le bon Dieu. Oui, c'est ça. Premier créateur, c'est avec Jésus, il va le créer, c'est lui. Avec Jésus, il va le créer. Pour bon Dieu, il va mettre tout le monde dans le ciel. Jésus connaît. C'est lui qui va le créer, toi, bon Dieu. Oui, c'est lui qui va le créer. Bon Dieu, pas encore un trône. Avant Jésus, était là. C'est une très belle question, mais c'est une question pour nous comprendre plus bien. C'est pour nous goûter. Ça, c'est nous mettre dans le bon Dieu. On dit que l'autre ami, bon, on avait espéré que ça marchait plus bien. Les amis, alors, à ce moment-là, vous avez tenté de voir pour nous SMS sur 36 29 77 79. C'est une mission de. Il y a l'autre ami, sur les. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Tandis à Z2, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, question de s'il vous plaît. Oui. Papi dit le conseil, Jésus qui était dans un ténèbre sur la terre, ténèbre apparaît devant Jésus. Mais nous avons une habilitation pour que ça ténèbre là, parce que devant Jésus, s'il vous plaît. Vous avez une question Jésus était là sur la terre, ténèbre. Alors. Ok. Oui. Alors. Ou dis-nous que Jésus t'est venu sur la terre et puis ténèbres là parce que tu vois. Oui. Bon. Jean 1er. Qui ça ténèbres là? Est-ce que ténèbres là parlé dans chapitre 1er là? C'est fait noir tant qu'on fait noir nous gagne dehors. Non. Fait noir, hein, c'est ignorance. Oui. Mm-hmm. Ignorance. Jésus vini pour faire connaître bon Dieu. Mais les gens qui t'a parlé de bon Dieu, ils n'ont pas jamais connu bon Dieu. Et ça, Jésus a dit de bon Dieu, ils n'ont pas accepté. C'est ça, ça veut dire. Les vignes, mais ça, ténèbres là. Oui, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mm-hmm. Fait,
les enfants d'Israël qui étaient soi-disant parlé de bon Dieu, qui étaient prend pour Dieu, ils connaissent bon Dieu, qu'on y a, ils étaient dans le noir. Parce que, par contre, quand Jésus est sorti, par contre, ils ont dit, si je dis, ils ont beaucoup accepté que Jésus, lui, c'est petit, bon Dieu, qui descend sur le ciel, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit qu'on est un Messie qui est venu, un grand Christ qui est venu, mais ils n'ont pas accepté. Ça veut dire que Jésus étant la lumière, dans Jean chapitre 1, il dit ça, la lumière, lui, dans les ténèbres. Lumière éclairée dans les ténèbres là, mais ténèbres là même, repousser lumière. Ordinairement, travail lumière, c'est repousser ténèbres. Oui. Mais là, un ténèbre capable de boumer lumière, son ténèbre qui presse en pile. Qui très presse en pile. Fait, ténèbre la paléa, c'est pas on fait noir tant que ça nous joigne, les assouets, et puis on prend des haches. Et puis nous avons fait noir. Mais c'est ténèbres, ignorance. Par exemple, ça m'a dit là, à soi, c'est une lumière qui pour briller dans les ténèbres. Parce que quand pile monde, il y a tellement de ténèbres, il n'y a pas contre qui ça que Jésus, pas contre qui ça que l'éternel, pas contre qui ça que c'est papa, pas contre ça que c'est petit, il n'y a pas contre rien du tout dans ça Jésus. Or, nous sommes capables de dire, émission n'a pas à soi, c'est lumière qui a venu dans ténèbres. Fait, si on ne pas accepter émission ça, c'est même bagaille là, c'est un coup si ou lumière a été venu et puis ou pas accepté. Parce que nous pas d'affaire pas nous là. N'a dit affaire pas bon Dieu. Lumière, l'humain dans ténèbres là. Mais ténèbres là même pas recevoir lumière. C'était les enfants d'Israël qui étaient refusés prendre parole que Jésus t'a porté pour eux de la part de Dieu. Alors, on a promis ces amis nous pour appeler à continuer à suivre l'émission ça et continuer à poser des questions. Et puis, on va être capable de comprendre ça, au besoin de comprendre. Tendez à quoi c'est deux. Alors, il y a quelque chose, peut-être ça t'a besoin d'une petite explication. Nous voyons que bon Dieu, après les 6 jours de la création, il est reposé le 7e jour. Et là, nous rejoignons encore bon Dieu qui a parlé avec Noé, il a parlé avec Moïse, il a baillé Moïse l'étape de la loi. Toujours est-il, est-ce que c'était la parole, même parole ça, qui est toujours en action, avant qu'elle devienne chair là? Oui, c'est toujours la parole. Jusqu'à ce que Jésus vienne fête dans Marie, c'est toujours la parole. Parce que, pas grand monde qui était où est bon Dieu. Moïse Batuel. Abraham Batuel. Noé Patuel. Noé a entendu la voix de Dieu, mais il n'a pas dit Jean-Mouali. Jésus tient toujours la parole. Et c'est Jésus qui est toujours parlé. Il n'est pas encore il pas très Jésus, parce que non sale poté, comme Jésus, c'est un nom pour venir sauver. C'est à partir de ce moment-là que bon Dieu a décidé qu'il a sauvé les hommes. Mais avant, bon Dieu n'a pas gagné en tête pour sauver les hommes. Il était plutôt à construire les hommes. Il était plutôt à bâtir les hommes. Mais à un moment de la durée, lorsqu'il réalisait que les hommes vraiment c'est dans le péché à oublier vivre, eh bien, il essayait tout moyen, d'un coup, tuer bœuf pour s'en verser, tuer mouton, etc. Il voyait en pile message et ça n'a pas marché. Maintenant, bon Dieu a décidé, il dit, mais ça m'a fait, je vais le faire ou ouais, moi. Je vais le Vous voyez, petit moi à descendre ensemble avec eux, pour vous carrel, pour vous habituer avec eux. Et puis, l'elle parle, il a écouté parce que son monde même là avec eux, qui a parlé. Abraham pas très bon Dieu. Adam pas très bon Dieu pour trop longtemps. Isaac pas très bon Dieu. David pas très bon Dieu. Mais il était qu'on a tant de bon Dieu. Et c'était toujours la voix de Dieu. Et jusqu'à présent, pour y aller aujourd'hui, Jésus vit seulement 33 ans et demi sur la terre. C'est des gens qui étaient Kawel. Il y a des gens qui étaient Kawel. C'était des bienheureux qui étaient des choses pour Tewel. Mais pour y voir encore aujourd'hui, eh bien, c'est voir pour nous donner. Quelque chose toujours... soit sorti de la loi, toute bagaille, c'est Jésus qui t'a parlé dans tout ça. Ah, en ville profondeur. Et ça, est-ce que nous alors toute compréhension, bam là, toute explication, ça est où? Est-ce que ça t'a qu'à rejoindre le texte que nous avons dans Hébreux chapitre 1, lorsqu'il dit
Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Et puis il dit nous, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, la parole là, ou après que n'est pas remonté à l'origine des choses, on parlait de Jésus, mais la parole à partir du moment que l'été vint des prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Et maintenant, depuis tous les âges, bon Dieu fait les choses par Jésus, mais à partir du moment que l'homme devine sur la terre et que l'homme pas qu'à continuer, ouais, bon Dieu, c'est pas prophète. Bon Dieu parlait. Ça fait remonter jusqu'à prophète, parce que Adam est prophète. Et tout l'autre monde qui était venu après lui, qui t'a servi bon Dieu, tout c'est des prophètes. Par exemple, la Bible dit nous, Enoch te prophétisé. Enoch était un prophète. Enoch dit, Enoch c'était le septième monde que mon Dieu était sur la terre comme, comme monde qui a servi. Et Enoch prophétisé, il dit, voici l'Éternel, on a appelé ça dans Jude, il dit, voici l'Éternel est venu avec ses saintes. Mais il prophétisait le retour de Christ en chair et en os sur la terre. Depuis des millénaires, depuis dans le jardin d'Éden, après le jardin d'Éden, Enoch vient paraître, Enoch dit, voici Éternel qui venait avec ses sept myriades pour exercer un jugement contre tous. C'est-à-dire, la parler de l'Éternel qui va venir, c'est-à-dire parler avec nous par des prophètes. Par des prophètes. Ben, l'elle parle par prophète, yo, laisse à Jésus pas encore petit. Il dit encore la parole. Avant, il dit la parole. Il dit toujours la parole. Maintenant, lorsque bon Dieu réalisait que les prophètes et les sacrificateurs, eh bien, ça n'a pas tellement marché bien, bon Dieu dit, ok, bon, ma voyez petite, ma connaît, ma fait un petit, ma voyez bah, oh. C'est parabole ça, Jésus te baille, la parabole de vigneron avec maître vigne, il dit, il y a un homme qui a un jardin raisin, et puis la partie, il a fait mener à des vignerons. Et puis, trois fois, les voyer pour chercher résultat pour baler fruits dans le jardin, ils n'ont pas balé. Ils ont pris un serviteur, ils ont battu, ils ont tué un peu. À la fin, il dit, bon, ok, ma voyé propre petite main, il y a un respect pour lui. Et là, ça a bon Dieu décidé que c'est Jésus l'a voyé comme petite fille sur la terre. Ah ben, là où elle a venu, il dit, bon, qu'on y a un méritier, même un petit jardin, on a tout eu le bon. C'est ça que fait tuer Jésus, parce que bon Dieu t'a parlé avant par la parole. Elle parlait avec Noé. Noé tendait voix, mais elle parle maintenant, c'est Jésus qui t'a parlé. Elle parlait avec Abraham, c'est Jésus qui t'a parlé. Mais lorsque tu as envie de arriver, eh bien, bon Dieu pas parlé avec par Jésus encore, eh bien, il parlait par des prophètes. Parler par des prophètes. Mais maintenant, bon Dieu pas parlé par des prophètes. Encore, pour longtemps, il parlait par son fils. Son fils. Jésus. Qu'il établit Jésus, héritier toute chose, il bat Jésus, toute bagaille. Il continue à parler par le fils maintenant, mais le fils lui-même utilisait le Saint-Esprit. Il utilisait l'Esprit de Dieu pour faire les choses. Et ça s'appelle dit, faut m'aller pour consolateur capable de venir. Consolateur, c'est lié, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire c'est la même chose. Pour Jésus te parler, il faut le dégager l'Esprit de Dieu. Pour bon Dieu continuer à parler, je dis, eh bien, il parlait maintenant par son esprit. C'est Jésus que j'ai parlé, mais il a pu utiliser l'Esprit de Dieu, c'est à quoi j'en ai fait auparavant. Et encore, nous avons l'autre très belle question, nos amis, vous voyez pour nous. Lisez-nous, et à la fin de chapitre là, dans le livre Proverbe là, et il est question de la sagesse.
Alors c'est sa question, Zamia, ouais. On dirait lui, ouais. Il a envie de refuter cette histoire pour nous dire que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, c'est Jésus. Ouais. Zamia a remonté pour lui dire que c'est de la sagesse, on dirait que... Oui, alors, Zamia, ça, nous t'aimons aider lui pour le comprendre bien. Nous connaissons de la sagesse, il t'a parlé. Mais c'est quoi la sagesse? On t'a posé la question. Et c'est qu'un homme dans l'univers qui peut dire ça, la sagesse. La sagesse, ce n'est pas un monde. La sagesse, c'est une vertu. La sagesse, c'est une capacité. Et une capacité, c'est-à-dire, comment on a dit ça, c'est une valeur, la sagesse. Alors, dans le Proverbe, chapitre 8, là, il est question de la sagesse. Mais la sagesse a parlé là. La sagesse a parlé. Mais la sagesse a une bouche. La sagesse a une bouche. La sagesse a une certaine intelligence. Fait, si pour bon Dieu, tu as fait ciel avec terre, à qui ça pour le faire? Si ce n'est pas, la Bible a dit, il a fait les cieux avec intelligence. C'est-à-dire, il a fait les cieux avec sagesse. Lorsque Moun Kap Paléa, la sagesse, lui dit, le bon Dieu t'a disposé ciel, m'te là. Ça veut dire, moi-même la sagesse, m'te nan disposé, m'te nan fait disposition, hein, pour mettre la lune à côté de pour mettre ton bon Dieu à côté de pour mettre les anges à côté de météo, pour mettre les nuages à côté de météo, vous laissez ça la sagesse. L'on fait quelque chose de bien, et puis tout le monde a fait bien, et puis il marche bien, il dit, ou sage. Ou sage. Ça veut dire, pour bon Dieu montrer sagesse, lui servir avec Jésus pour faire les choses. C'est ça pour vous en comprendre. Fait, Jean Bagay bien fait là. Bon, sagesse là. C'est sagesse qu'il a pour faire. Ouais. Hein? Ouais. Jean Bagay bien fait là, c'est sagesse seulement que tu as qu'à faire. Jean ciel yo placé, Jean la terre placé, Jean abîme nan yo. N'a pas marché sous terre et puis nous pas jamais foncé là-dedans et puis Jean bon Dieu disposé bagayo ben ouais la Bible a dit il a fait les cieux avec intelligence. Qui dit intelligence dit aussi sagesse. Ça veut dire fait bagayo bien. Ah ben c'est ça, c'est la sagesse qui t'a pour parler là. Ben, la sagesse là c'est pas quelque chose comme si c'est un bagaille, ou comprenez, tant qu'on bagaille qui flou, sagesse là, c'est le savoir-faire. Et puis, vous bagaille là, bien fait. Ah ben, savoir-faire là, c'est Jésus. Bon Dieu créer le savoir-faire pour que bagaille qu'a fait bien. C'est ça qui fait créer Jésus comme étant le savoir-faire. Et c'est seul Jésus qui t'a fait bagaille comme ça. Et puis, il n'y a pas d'accord l'autre nom que la sagesse. Oui, papi. Si nous t'a quitté ciel la terre en ce moment, et puis nous t'a pris nous-mêmes l'homme, bon Dieu créé. Là, nous campons devant glace, nous regardons tout ça, bon Dieu, mettez-nous nous-mêmes côté où il y a c'est la bretaille. Oui. Imaginons, bon Dieu, t'a pris deux yeux, nous mettez des têtes nous. Ah, mon cher, il n'est pas trop sage. Il n'est pas trop sage. Il n'est pas sage. Parce que nous n'avons pas trop écouté nous pour aller. Oui. Imaginons, il prend les oreilles, nous, il mettait une dans le fond, nous, une dans le menton. Mais ça, mais. Il n'est pas trop bon, ça n'est pas trop sage. Tout le monde n'est pas trop campé devant nous pour parler, madame Tanaï. Madame Tanaï, fait que ça, c'est sagesse, bon Dieu, qui fait bon Dieu. C'est sagesse, même bon Dieu, t'es gagné. Soit pour ces signes, nous, t'as dans l'oteil. Ah, mon. T'as dans l'oteil. Nous regardons vraiment, t'es que Jean-Jacques l'a dit, ça, c'est vraiment sage, Jean, bon Dieu, bâti nous. Oui. Jean le construit nous, ouais. Côté le mété, organe, c'est là où tu dois y aller. Oui, oui. Avec l'autre côté où tu as caillé. Non. L'organe de tête, nous, c'est dans la place. Dans la place, oui. Et bien, nous avons un petit coup qui est bien, mon cher. Oh, les bonnets. C'est au cas viré, les à droite. Bon, les bon. Lui à gauche, lui à droite, ou aller devant. Ou aller devant. Et puis, très bon. Oui. Imaginons ces deux pieds, nous, tu es dans la place de main. Nous, comment on a fait le marché là? Ou senti, nous, on va mener main dans la bouche. Du tout. Parce que deux pieds, nous, cassés derrière. Oui. Deux pour être nous-mêmes. Cassé devant. Fait deux pieds nous cassés derrière pour nous mettre à genoux. Oui. Deux pieds nous cassés devant pour nous mettre dans la bouche et puis mener nous aller. Oui, c'est ça. Ça, c'est sagesse, ça, c'est la sagesse. Oui, c'est ça. Fait la sagesse, c'est là. Le bon Dieu t'a fait les choses. Alors, c'est ça pour nous comprendre.
à la fin du texte là, il dit c'est la sagesse qui t'a parlé. Oui. Oui. La sagesse. Ça veut dire la sagesse là, c'est sa bonne Dieu qui fait, oui. qui fait, il est capable de faire les choses bien. Avec sagesse, oui. avec intelligence. Voilà. Et nous avons une pile question qui est venue. Déjà, nous avons remercié tous les amis qui tendaient et puis qui ouaient, qui bien branchés, qui t'a remis tendaient, qui t'a remis ouais tout. Et nous avons une belle question qui est venue là. Bonsoir, panel là. Il y a des gens qui disent Jésus 100% Dieu, 100% homme. Qui réponse au Kabay à Mounsayo? Bon, il y a des gens qui disent Jésus 100% Dieu et 100% homme. Nous ne pouvons pas taquiner Mounsa parce qu'il semblerait que ça le dit assez vrai. Mm-hmm. Comment ça? Parce que Jésus est Dieu. Ouais. Fils de Dieu. Ouais. Dieu. 100% Dieu. Ouais. Un petit cochon, pas un mousso cabrit, mousso chien. Non. Un petit cochon, c'est un petit cochon. Oui. Il est où est un coup tout cochon. 100% cochon. Il est cochon. Oui. Oui. 100% cochon. Il est où est. Il est même manger bois patate. Il est même un bois pourri. Et puis, Nel fait en façon pour labourer. Que c'est cochon. Créole, oui. que c'est cochon grimel, oui. c'est cochon appelé, c'est cochon lié. Il est 100% cochon. Oui. Mais, si nous t'a dit Jésus, il est 100% homme, c'est vrai, oui. parce que il est chair, il est sang, il est doux dans le col, il est zo tout dans le col, il est tout ça que fait, c'est homme. Cependant, la différence là, c'est que Jésus, homme d'abord, après ça, il est devenu Dieu. Il était homme, après ça, il est devenu Dieu. Même Jean nous-mêmes, tout, je pense qu'avant nous clôturer, c'est ça, n'a pas montré comment nous-mêmes tout. Oui, c'est Dieu. Parce que Jésus, le processus qu'il fait, et c'est pour ça même il est venu, pour montrer nous qui route pour nous passer, pour nous capables de venir Dieu. Jésus, l'est venu, il n'est pas Dieu en haut dans le ciel. Il était avec Dieu. Oui. Et bon Dieu vient faire le devenir petit de façon que nous mêmes tous nous capitit parce que nous pas pour les textes à la connia mais le texte il dit Dieu te voulait mener beaucoup de fils à la perfection. C'est ça que fait il éleva à la perfection le prince de leur salut. Il fait Jésus devenir prince salut pour qu'élever nous mêmes tous à la perfection. Alors du même coup, on a tout dit monde qui dit nous pas capable faire mais tomber moi dans bas là retenir penado que doit passer pour pas faire. Bon, alors Jésus à la fois Dieu et homme en même temps. Oui, il est 100% Dieu, parce que pas un demi-dieu. C'est dans le monde, il a inventé des demi-dieux, mosso homme, mosso Dieu. Mais Jésus est Dieu parce qu'il est devenu fils de Dieu. Bon Dieu baille la vie, il baille la vie. Tout ça, bon Dieu qu'a fait, bon Dieu fait le capable de faire parce que en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que nous avons cité. Nous entendons quoi c'est des fois entendre. Après ça, on l'a dit, on a vu la texture pour montrer ça. Jésus, 100% Dieu, parce qu'il est fils de Dieu, il est devenu Dieu, il marchait dans le chemin pour devenir Dieu. Et l'élite sur la terre, lui-même, il a parlé de tête, il dit, moi c'est le fils de l'homme. Et là, elle tourne dans le ciel, si elle l'a dit, oh Dieu, ton Dieu, ta ouin, d'une huile de joie par-dessus tes collègues. Qui est ce collègue Glissao? Nous-mêmes, les hommes, au-dessus de tes égaux. Maintenant, les 100% hommes, parce qu'elle gagne tout ça au monde capable de gagner, lui subit tout ça au monde capable de subir. Nous t'avons aimé. Je vais un texte là pour expliquer qui ça Jésus est, mais nous toujours dans qui ça Jésus est. Si Marie a fait ça, soit, comme on a pensé à une question, on a fait ça, on le fera si Dieu veut. Et l'autre question, bonsoir à tout le panel là, il y a une prédicatrice qui démentit ça. Jésus pas créé parce que lui dit lycée alpha. Ça nous pensait de ça. Bon, lycée alpha, ça veut dire lycée première lettre. Oui, oui, oui. Ça veut dire son commencement. Oui, oui ça. Il faut gagner. Il y a supérieur qui vous fait alpha. Oui, oui. Pour ces alpha, ça veut dire alpha, c'est première lettre dans l'alphabet grec là. Oui.
Hein? Oui. On veut dire, les faire partie de l'ensemble. Oui. Ensemble, là, c'est la création. Mm-hmm. Faut que le monde, là, on l'aide, tant qu'on alpha, c'est A. T'as dit, bon, ouais. C'est premier. Bon, il c'est premier, mais premier, là, qui ça? Oui. Les pas qu'a dit, lui, c'est premier monde qui existait. Parce que c'est son monde qui a inventé alpha. Son monde qui créé alphabet là, qui fait venir un alpha. Le prédicateur qui a pour démentir ça, il n'y a pas d'argument, parce que Jésus c'est alpha, et puis il c'est oméga. Oui. Il c'est premier, et c'est dernier. Et là, au monde c'est premier, ça veut dire, c'est gagné avant. Parce que qui est-ce qui vous boit grade première? C'est premier, faut regarder là. Faut regarder là pour ses premières. Tendez à quoi ces deux, ou bien brancher là, Zoya, et puis c'est aux bénédictions. Ouais. Et il y a un autre ami qui dit, bonsoir, alors, pourquoi Jésus a dit, papa, pourquoi, alors, m'as-tu abandonné? Pourquoi ça le dit ça? Parce que mon Dieu est abandonné. La Bible a dit, il a été abandonné pour nous. Oui, oui. C'est nous qui méritons abandonner. C'est à la croix Jésus a dit par ça. C'est lorsque bon Dieu voyait Jésus venir sur la terre. Et nous-mêmes, nous t'es abandonné. Et comme Jésus est venu pour prendre péché nous et pour mourir dans place nous, c'est ça que fait l'aile sur la croix. Pour bagarre la carrière réelle, bon Dieu a abandonné Jésus. Oui. Bon Dieu veille deux balais pendant un certain temps. Bon Dieu pas qu'à ouéli parce que Jésus pas devenu pécheur à la croix, mais il est devenu péché. Ouais. Pendant les heures que Jésus passait à la croix, les bon Dieu gardait, bon Dieu pas ouéli comme mon cap fait péché, mais bon Dieu met son boule péché lié. Il est devenu, il s'est fait péché. Oui. Il est devenu péché pour nous. Oui. Fait bon Dieu pas qu'à tolérer péché. Bon Dieu pas qu'à supporter péché. Fait, tu crasses encore, bon Dieu t'a pas effacé Jésus. Oui. Oui. Il t'a effacé. Parce que ça loi de venant. Oui. C'est péché. Et c'est parce que Jésus, c'est la parole. Il t'a qu'à parler parce que c'est la parole de Dieu. Il dit, papa. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as abandonné? Oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est là ça, bon Dieu son Jésus. Oh, c'est pas lui qui s'est péché, hein, non? Bon Dieu dit, ah bon, oh, ok, on va le faire bagaille. Et puis bon Dieu a pesé qu'on les lit. Hein? Et lui-même, c'est devenu péché à cause de nous. C'est parce que bon Dieu t'a abandonné Jésus dans place nous. C'est ça qu'il t'a dit, bon Dieu. C'est supplier, il t'a supplié, bon Dieu, pour bon Dieu retourner à lui-même pour ne pas abandonner. Et nous connaissons si téléspectateurs nous voulons devancer nous, parce que y a une question là que nous pouvons arriver sur vraiment. Et il y a un ami qui m'a dit nous, alors, bonsoir frère Mio, mais Adam te connaît bon Dieu. Alors, c'est peut-être que tu as compris la chose, mais besoin, mais Adam te connaît bon Dieu. Adam te connaît bon Dieu parce que Adam n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché, elle n'a pas de péché, elle n'a pas de bon Dieu, elle s'est péché après ça. Alors, c'est peut-être compréhension, amis, lorsqu'elle dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, excepté celui qui l'a fait connaître. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Ça, il y a Jésus qui l'a vu bien avant. Jésus était ouais. Jésus ouais constamment bon Dieu. Mais le bon Dieu vient créer Adam. Le bon Dieu vient créer Adam. L'elfine fait l'air dans l'ouvrier, je lis ouais bon Dieu. Parce que il est tellement connu. Que l'on fait le péché, l'a caché. Oui. Hein? L'a caché. Il pensait que il n'y a pas qu'on finit contre bon Dieu bien, parce qu'il n'a pas appris bon Dieu. C'est ça fait bon Dieu, c'est qu'on vient chaque matin, chaque soir, dans le jardin, hein? Chaque soir, il vient pour que pour pas laver, pour pas laver, pour faire qui ça? Pour apprendre ça, les choses. Chose. Parce que Adam venu dans le monde est connu, oui. Il n'est pas connu rien du tout. Fait faut apprendre comment le faire là, pour que ça bon Dieu fait, qui ça a pour le faire, qui ça a pour le faire. Bon Dieu, c'est qu'on chita pour parler avec Adam dans le jardin. Maintenant, bon Dieu vient dire nous plus tard, il dit à Moïse et à prophète Élie, aucun monde pas qu'à ouem après ça pour vivre. Pas qu'à ouem pour vivre. Mais qui ça fait ça? C'est le péché. Et le péché qui empêchait que l'homme ouait bon Dieu. Mais si Adam pas qu'on ouait bon Dieu, comment le faire qu'on est pour le cacher?
Parce que, notez ça bien, lorsque Adam a caché, bon Dieu, pourquoi vous n'avez pas dit? Non, il va pas content de voir. La caché, il va pas content de voir. L'elfine péché, l'elfine, la caché. Mais par contre, qu'il est l'éternel. Oui, il caché pour les élevés, pour les élevés, pas elle. C'est très important. On ne peut pas faire comprendre que c'est pour voir que Adam a le caché. Parce que pendant le caché, elle parle à l'éternel. Oui. Pendant le caché, il dit. Il donne des voix. L'éternel a cherché. Oui, il a cherché. Et elle parle, quand elle est supposée voir là. Et puis il dit, l'éternel, une tente de voix. Oui. Une tente de oui. Même caché. Oui. Ou pas pour moi, une caché. Elle dit, oh, ou caché, ça te passe au prison, caché. Il dit, parce que m'ni. Oui. Moi, ouais, m'ni, m'bavre le ouem, m'cache son côté. Et puis, nous connaissons comment l'histoire est finie. Et puis, raison que fait le tenir, c'est parce qu'elle était mangée dans le pied-bois. Ça veut dire, avant, qui ça fait nous pas carré, bon Dieu? C'est à cause du péché nous. C'est ça que fait pour nous, parce que faut nous voir bon Dieu. Oui. Pour nous vivre, faut nous voir bon Dieu. Oui. Faut que nous carouel avec Dieu et faut nous carouel tout dans l'entendement nous. Je dis à nous-mêmes, nous pas carouel bon Dieu parce que nous, bon Dieu, pas là sur la terre. Jésus, qui c'est image là, nous pas gagner. Mais l'idée écrite est tellement bien dans la Bible là que nous carouel avec les yeux du cœur. Paul relève ça, les yeux. Du cœur, nous ca ouais Jésus a commenté, nous ca imaginer commenté et texte là dit nous commenté. Nous imaginer des gains yeux, des bouche, qui gain nez, des pieds, n'a pas pour nous ça dans la prochaine émission hein. Pour nous voir comment Jésus il était différent de l'Éternel. Ma action lio de bagarre qu'il était fait parce qu'il était homme, ben extraordinaire. Mais Jésus lui était l'image de Dieu et jusqu'à présent, il était toujours image, bon Dieu, et pour un monde qui connaît bon Dieu, je dis, pour qu'il Jésus au travers de sa parole. Toujours est-il, l'en rentrer dans le sujet, ça, l'en dans le domaine, ça, c'est un code qui n'a pas un bout. Non. Et son sujet, normalement, qui fait déjà couler en pile langue, et nous vient dit quelque chose. Contraire, oui. À ça en pile l'autre monde déjà apprendre, de ça de déjà attendre, de ça déjà ouais. Et c'est en pile question qui arrive sur nous là, bien que le a presque fini, le a déjà fini. Normalement, si une guerre, nous capons encore. Bon, il y a aux amis qui dit nous, bonsoir frère Mio, lui dit nous, comprendre Hébreu 1er verset 8 à 10. Son texte, je ne. Alors, Zami a dit pour nous comprendre, Hébreu chapitre 1, verset 8 à verset 10. Alors, il sortit que si nous ne comprenons pas, nous avons dit là. Oui. Pas bon, si nous ne comprenons pas, nous ne parler comme ça. Oui. On essaye de lire. Hébreu 1, verset 8 à 10. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors, par contre, pour ça, Zami, pour nous comprendre, nous comprenons, je le dis là. Oui. Je vous le dis là. Nous avons parlé de l'Italie à la tête. Nous comprenons déjà. Nous comprenons qui ça lui dit. Si nous... ça a commencé, il dit, mais il a dit au fils. Il a dit au fils. Il a dit, il y a un père qui a parlé au fils. Là, quand ses amis ont dit, le fils c'est le père, oui. Mais il y a un père qui a parlé à un fils. Oui. Et puis ensuite, il a dit au fils, ton trône, au Dieu, est éternel. Est éternel. À partir de qui il est, il dit, ô Dieu, ton trône est éternel. C'est lorsqu'il devient une petite, et petite, ça a devenu petite. Et puis, petite l'a fait. Volonté bon Dieu. Et puisque c'est bon Dieu qui fait petite là c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est Dieu. Et puis, bon Dieu dit-lui, trois nous, son trône qui éternel. Le sceptre. Et puis, ton commande au roi de ton règne est un sceptre d'équité. Son sceptre d'équité, ça veut dire. Bâton commande au gain, hein, ou bien si ton président a dit échappe non bas au roi. Son bagage. Pour faire balance, pour pas qu'on bon pi haut, on bon pi bas, pour faire jugement droite. C'est ça, ça veut dire équité. Ça veut dire pas gagner, fausse côté dans la bagaille là. Toi, nous, sept
commandoa, bâton commandoa, c'est un bâton d'équité. Pour ça, le sceptre, parce que Jésus, c'est mon président, son roi libre. Le roi a un sceptre, un bâton. Tu as aimé la justice. Attendez ça, oui. Jésus te remet la justice. Et tu as haï l'iniquité. Elle te raillit l'iniquité. C'est pourquoi. C'est ça que fait. Tu as dit ça. Il te remet la justice, il raillit l'iniquité. Il va faire tout Dieu. Ouais. C'est ça que fait. Ouais. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Ta ouin. Ta ouin. L'huile de joie. L'huile de joie au-dessus de tes égos. Au-dessus de tes égos. C'est parce que Jésus, Jésus, il fait. Ouais. Qui fait le bien de Dieu. Ouais. Il fait. Et dans toute bagaille il fait, en résumé, toute bagaille il fait, résumé en deux volets, il remet la justice, il raille l'iniquité. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ouais. Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ouais. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ouais. Jésus a haï l'iniquité et il a aimer la justice, c'est pourquoi. Oui. Okay. Si Jésus pas aimé la justice, il va l'abjam Dieu. S'il pas raï l'iniquité, bon Dieu pas t'a vidé l'huile sous tes clés ouvert vin Dieu. Ça montre un monde qui est gros. Ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Ta ouais. Ton Dieu. Jésus a un Dieu. A un Dieu. Et qui est ce Dieu? C'est son Père. Son Père. Mais toi, il nous m'a vidé l'huile sous tes clés. Oui, c'est ça. Fait, texte ça là, nous comprenons. Je ne comprends rien, c'est ça. Fait, si ça m'a pas bien compris texte ça, c'est pour le point de compréhension de la baie là, parce qu'il n'y a pas l'autre côté pour l'aller. Texte là, mais texte ça dit nous, ça n'a pas dit là. Et puis nous pas changé texte là, nous seulement lit texte là, et puis texte là dit ça pour le dire. Oui. Ouais. Mais Jésus, il est devenu Dieu. Ouais. Et il a un bagage, il fait pour le vin Dieu. Ouais. Et puis il dit ça carrément, ouais. Et puis ça le fait, yo, résumé en deux volets. Ouais. Remet la justice, remet l'iniquité, c'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi. C'est raison ça que fait. Ton Dieu t'a ouin. Oui. Bon Dieu là, vide l'huile oui, sous tes tout. Fait, bon Dieu ça, puis grand parce que Jésus. Oui, c'est oui, pas oui. Jésus qui vide l'huile sous tes clés. Oui. Jésus n'est pas Dieu son Père. Non. Alors, il est Dieu, mais Dieu fils. Oui. De Dieu, et non Dieu son Père, et Dieu son Père, ou bien Dieu fils de lui-même. Il n'est pas Dieu. De lui-même, il a un Dieu. Ton Dieu t'a un. Il dit au fils. Ouais. Alors, Fabi, je devrais ajouter un élément de réponse à ça, mais c'est un texte que lié, nous venons dans Jean 17, verset 5. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oui. Alors, ça veut dire que gagnons papa, gagnons petit. Oui. Et cette gloire qu'il avait auprès du Père, c'était qu'il pouvait créer les choses. Ouais. Il était la parole. Oui, il était la parole. Il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Il y a verset 10 que ça mis en bas nous tout. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, c'est ça que tu as parlé d'aller. Et Jésus qui fait la terre avec Jésus. Oui, c'est l'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de tes mains. Nous avons mes amis, on comprend le texte là. Jean texte là hier. Oui, Jean texte là hier. Nous comprenons les amis. Oui, nous comprenons. Comme bon, texte, il dit dans le texte que bon Dieu l'évèle au-dessus de ses collègues. Fait, qui sont les égaux de Jésus? Nous-mêmes. Parce qu'il est devenu homme, c'est ça. Ayant paru comme un simple homme. Il est un homme comme nous. Et en tant qu'homme, il vient tracer chemin en montant nos corps pour nous passer. Il humilie lui. Il raillit l'iniquité, il remet la justice, bon Dieu fait le Dieu, nous-mêmes tout, là nous suivons lui, il est le modèle, personne ne vient au Père que par moi, grâce à Jean-Jésus qui est vivant, là nous vivons comme ça, n'a bout n'a papa, et là nous n'a papa, bon Dieu a dit nous, mon qui vivait, il a dit au même bagage là, à tout l'autre monde, devant tout l'autre monde. Pour que ça nous ici, nous n'envoie un moyen, parce que nous sommes raillis. Oui, l'iniquité. Il remet la justice. Peut-être ça, il va dire, oh Dieu, votre Dieu, ou bien ton Dieu, vous a oint, votre Dieu vous a oint du mille de joie au-dessus de tes collègues, de maman, de papa, de frères, de soeurs, de tonton, de matin, tout, de pasteur, tout. Oui. Dépendamment de qui moune, ou t'as côtoyé, ou bien que tu es dans le même niveau ensemble avant.
texte a bien clair, il dit qu'il est à qui moment de la durée que Jésus déclare oui. Dieu. Oui, pas qu'on veut ce capitre de la terre. Il descend sur la terre, ensemble avec les hommes, il c'est homme. Oui, il c'est homme. Parce qu'il dit, simple homme. Un simple homme. Pas même un homme compliqué. C'est ça. Un simple homme. Ouais. Et ça montre nous que Jésus les gourmet en pile pour une position qu'il y a. Oui, les monter par les hommes. Oui. Maintenant, il raillit les gourmets. Il l'a dit, il s'est abaissé au-dessous des hommes. Oui. Et puis, pour lui comme un simple homme. Il fait face tout avec des iniquités et il raille bagage. Il fait de chaque queue, bon Dieu, prend le droit. Il raille l'iniquité, il remet la justice. Et puis, c'est à un moment de la durée maintenant, il grandit, il raille l'iniquité, il remet la justice. Pratiquer la justice. C'est ça que fait. Bon Dieu dit lui, sept d'équité. C'est-à-dire, on sept de justice, on sept de balance. Ça veut dire, ou pas pour mettre une pire ou passer l'autre. 50-50. Jésus, c'est seul Sila qui a vigné sur la terre pour équilibrer la justice. Je dis, il y a des gens plus placés. Il y a des gens qui plus placés. Les gens qui n'ont rien du tout, c'est les places en l'air. Et les gens qui sont dans les là, c'est les places. En bas ou t'as l'école ou pas une valeur ou respecter moun c'est ou même il a pas arrêté si vous voulez vivre la caille ou paisiblement bandit a gagné l'entrée la caille fait avoir salvé et puis soit le tribunal à velle c'est ou cap gagné juge la plupart là d'ailleurs ses amis bandits etc fait pas gain justice pas gain iniquité c'est pourquoi il dit ton sept c'est un sept d'équité. Ton trône est éternel. Ça avait dit, les Jésus recevaient une loi, pas une moune qui a encore. Ton trône sera un trône éternel. Et bâton commande, son bâton commande cap. Mais tout le monde n'a pas eu. Très bel texte. Tendez à quoi ces deux, nous connaissons là, nous d'arriver. Parce que là encore, nous avons plus que 10 questions que les amis nous voient pour nous. Mais nous avons fait effort pour nous là chaque jour. Oui. Et puis nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde vraiment à soi. Mm-hmm. Parce que l'air pratiquement déjà arrivé. Yeah, arrivé. Nous là pour nous servir tout le monde. et le sujet, ça même un sujet qui est très brûlant. Ouais. Un sujet qui gagne déjà en pile parler qui fait tout. Et nous connaissons que nous avons chic en série de mots. Parce que ça nous dit là, le contraire à ça en pile monde de temps qu'on est. Seulement nous avons dit ça pour faire, c'est prendre son te connaît pour qui bon te prendre. Là encore, bon désert de temps pour nous parler, discuter. Si vous avez des questions, mettez-vous pour nous. Même si nous n'avons pas qu'à finir de répondre toute notre soirée, nous pouvons venir là parce que nous ne sommes pas là seulement pour répondre à une question. Nous là pour expliquer tout, nous là pour exposer, nous là pour dire comment il y a, de façon qu'on peut poser des questions sur ça, nous dit. Nous apprécions tous les amis, auditeurs, les spectateurs qui ont des questions pour nous en rapport à ça, nous dit. Nous comprenons tout le monde, c'est le genre. Nous comprenons que l'on pose une question, eh ben, c'est compréhension qu'on a besoin. C'est parce qu'on espère qu'on a répondu. Ce n'est pas parce qu'on espère l'on pose une question, nous ne pouvons pas répondre. On a bébé, mais c'est parce que nous pouvons répondre. Nous avons 12 ans même, avant de nous venir là pour nous faire une mission, ça, eh bien, nous chita pendant déjà des années pour nous bâtir ce sujet. Ça. Oui. Pour ce sujet, nous découvrons hier. c'est des années, par contre, combien d'années depuis, ben, ça confie en côté. Ben, nous allons chercher, non seulement nous connaissons qui ça la Bible a dit, mais nous allons chercher connaît qui ça tout l'autre monde dit de sujet ça, qui est Jésus. La Bible a dit nous, le monde entier ne l'a pas connu. Je dis, nous connaissons que les hommes ne pas connaissent bon Dieu. Nous ne pas dire pas connaissent Jésus, non, mais si on connaît nous, car on connaît mal. Alors, Zomim, calmez-vous, chita, prends Bibou chaque soir, excepté jeudi soir. Et dimanche soir, que nous gagnons deux autres débats. Tant que nous gagnons un débat du jeudi soir avec le public, nous gagnons le débat du dimanche soir, la famille et l'église. Mais lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, nous avons gagné. Tendez à quoi? C'est deux. Alors,
n'a pas demandé pour prendre patience question yo n'a pas venu là pour répondre yo parce que nous qu'on nous en a dit et puis Bible là pour aider nous le Saint-Esprit là pour aider nous pour nous pas bad ko ou après clair seconde question posez gentiment quittez l'esprit bon Dieu con Dieu n'a bon conseil tout m'a dit bon Dieu pour le bon direction dans la zone ça bon Dieu l'ouvrir jour pour qu'à comprendre parce que faut que bon Dieu éclaire entendement pour qu'à comprendre si Christ là pas l'ouvrir pour éclairer pour pas comprendre rien nous pas de projeter sorti connaît mais kembel nan en main et puis pas s'en abawa dans l'autre main après ça va balancer ou apaiser pour ouais parce que c'est toute Bible nette qui dit qui est Jésus. C'est toute Bible là qui dit mais qui ça qui relation qui entre Jésus avec bon Dieu. Et si Jésus t'a pas bon Dieu, ben pas gain l'évangile, pas gain ciel, pas gain la terre, pas gain monde, pas gain rien du tout, tout bagage là c'est bluff net. Mais comme moi même connais c'est monde et puis là en chair en os dire non. Et tout les messages qui là tout intervenance oui. Nous tout tout panel là c'est monde. Oui. Parce que si nous c'est monde ça veut dire nous exister. Ouais. Ça veut dire nous sommes vérité. Yes. Nous ka gen mensonge dans nous, mais nous sommes vérité. Ouais. Et si nous sommes vérité, ça veut dire bon Dieu son vérité. Ouais. Mm-hmm. Jésus c'est yon vérité. Parce que quand il y a dit nous de Jésus, si ça t'a ouais, ça veut dire bon Dieu pas exister. Mm-hmm. Ou dit moi, c'est bon Dieu qui c'est Jésus. Or Jésus pas rien dit être il c'est bon Dieu et conseil de bagaille, Jésus pas qu'a fait yo, c'est bon Dieu celle qui qu'a fait. Hein? Ouais. Conseil de bagaille, que bon Dieu pas qu'a fait, tant qu'on a boire un petit poule, Jésus dormi. Oui. Bon l'Éternel ne sommeille ne dort. Pour Jésus vient sauver nous, pour Jésus vient sauver nous, devenu péché. Oui, il devenu péché. Et puis il mourit. Il mourit. Pour nous dire, bon Dieu pas qu'à mourir. Bon Dieu pas qu'à mourir. Parce qu'il est le seul qui possède l'immortalité. Or Jésus est mort, bel et bien mort. Oui. Au point que Joseph d'Arimathée, pour elle mourir, oui. L'a demandé Pilate quoi. Pilate voulait vérifier. Est-ce qu'elle mourit? Oui. Avec yo rive yo pique le digel. Et puis ouais toute sang qui coule elle pas bouger. Yo descend quoi? Yo mettait la tête, yo embaumé, yo mettait le trou. Oui. Et puis yo boucher la ponche. Oui. Mais dit Jésus était belle et bien mourir. Mourir. Ou d'accord ensemble avec moi que bon Dieu pas qu'à mourir. Pas qu'à mourir. Bon Dieu raï péché. Bon Dieu raï péché. Et puis Jésus même devenu péché. Et puis dernier texte en te banoua, c'est que grand monde qui parle à compétit. Oui. Hein? Oui. Dit, on papa qui parle à compétit, qui dit, oh Dieu, oh Dieu, hein? Oh Dieu, ton trône est un trône éternel. Mais Dieu parle à son fils. Dieu, tu connais parler longtemps avec nous, par les prophètes, maintenant il parle avec nous par petit. Chers amis, je vous dis ça, pas fait courir ou destiné pour la pour gagner la vie éternelle accepter parole là et puis prendre courage pour 10 amis côté compte bail menti yo que ben c'est la vérité parce que ma soin pas maintenant nulle part que dans les temps ardents de feu et de soufre ce qui est la seconde mort même si gagne monde qui dit ça n'existe pas mais bible dit la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous depuis l'année qui a commencé à arriver. Est-ce qu'on y a? Nous avons rendez-vous demain soir pour qu'à venir tendre. Pour venir. Pour qu'à venir. Parce que l'émission, c'est tendre après. Et ça fait deux. Ciao.